plaisir de vous retrouver dans ce let's play d'origine. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé sur Assassin's Creed, donc j'espère que ça vous fait plaisir. On va continuer du coup cette aventure incroyable avec notre Medjay favori. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, tout est ok. Le son est ok, tout va bien. Alors, du coup, on s'était laissé la dernière fois. On avait découvert que Siwa avait été attaqué, avait été mis sans dessus dessous, vraiment, de manière, on va dire, très peu. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un trésor ici. De manière pas très commode pour rester respectueux de. Comme le veut la tradition. Non, je rigole. Je rigole. Ah bon, très bien. Bon, si tu veux. Enfin bref. Et du coup, on avait découvert du coup, qui se cachait derrière le pseudonyme du lion et qui se cachait derrière le pseudonyme du chacal. Attends, c'est pas chacal. Oui, c'est chacal. Le chacal, du coup. Voilà, donc on était parti du coup à sa petite recherche. Pour le tuer, alors moi je vais faire du coup cette quête-ci qui m'intéressait quand même. Alors du coup, hop, avant de poursuivre l'histoire, si mes souvenirs sont bons, les amis, on touche à la fin du let's play. Alors attention quand je dis on touche à la fin du let's play, d'accord? Parce que vraiment, j'ai pas du tout envie qu'on commence à s'imaginer plein de choses. Je vais faire comme avec Assassin's Creed Valhalla, du coup. Je vais m'arrêter à partir du moment où on aura tué. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. On va dire tous les membres des anciens. Voilà. D'accord? Qu'on soit bien d'accord, je vais m'arrêter au niveau de ce let's play aux membres des anciens. Voilà. Comme ça. L'histoire continue toujours, mais on va s'arrêter aux membres des anciens pour nous, voilà, par rapport à ça. Et je vais m'arrêter à ce moment-là. Parce que, on va pas se mentir, pour ceux qui ont déjà joué à Origin ou tout simplement Mais ceux qui le c'est qui découvrent avec moi, je vais juste vous spoiler un tout petit peu, pas par rapport à l'histoire, mais par rapport en fait à la longévité du jeu, si on peut dire ça comme ça, il est très court. Moi, la première fois que j'ai joué à celui-ci, je l'ai trouvé extrêmement court, de par son histoire. Voilà, parce que je suivais pas non plus tout le temps bah, les quêtes secondaires, tout ce qui était mission du jour, etc. Je faisais pas tout ça, donc je l'ai trouvé extrêmement court. Coucou Nola, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end, mon grand? Bienvenue. Donc voilà, donc c'est pour ça et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'arrêter là parce que sinon il y a tout ce qui est quête secondaire comme je vous ai dit, tout ce qui est mission. Donc pour moi c'était hyper important que on se mette une fin et je pense que pour tous les nouveaux Assassin's Creed qui vont sortir, je pense que je vais faire comme ça. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si je vais faire Mirage. Alors c'est prévu les amis. D'accord, mais j'ai décidé dorénavant, en tout cas pour ceux qui me suivent sur Twitch, bien évidemment, de pas faire trop de gameplay en même temps. Parce que je me rends compte que finalement, déjà, on s'y perd, j'ai de la peine à suivre où est-ce qu'on s'est arrêté, et c'est surtout que pour vous, c'est pas hyper cool si on commence à faire tous les jeux, trop de jeux en même temps. Donc voilà, je sais que actuellement. Et ben pour ceux qui le savent, je vais juste éviter de spoiler avec cet épisode-ci. Mais du coup, on a le jeu du mois de novembre qui va sortir. Vous savez de quoi je parle. Ensuite, on a Horizon. Pour la rediffusion, ben, ce sera plus tard. Mais Horizon 2 qui est en cours. Et ça, ce let's play, vraiment, je pense qu'il va, il va nous prendre un petit moment. Voilà, donc c'était juste pour. Je préfère qu'on. Comment dire? Qu'on balaye déjà les jeux qu'on a commencés et ensuite on se met dans des nouveaux let's play.
Voilà, parce que là, je veux dire, quand j'ai terminé Ori, quand j'ai terminé Alice, quand j'ai terminé, quand on a été forcé un peu, entre guillemets, de terminer Spyro, enfin voilà, c'était pour balayer un petit peu tous les jeux. Après, j'avais commencé Stray, mais Stray, il était extrêmement court. Mais c'est, comme m'a dit Mimi, c'est parce que tout simplement, je n'ai certainement pas pris le temps de faire des quêtes secondaires, parce qu'apparemment, ça dure un peu plus longtemps, effectivement. Mais quand on suit plus ou moins la trame de l'histoire, on est extrêmement extrêmement rapide quoi. Voilà, donc voilà. Allez, c'est parti. Salut mon Tu dois gogus. comprendre, Bayek, que je n'ai pas toujours Est-ce que le son te travaillé va à des bien? merveilles Bah ça va, d'architecture merci telles bien, que ces Nola. viaducs. Quand j'étais jeune, j'ai inventé de nombreux moyens de tuer et de détruire. L'un d'eux était assez terrible, une sorte de feu Est-ce grégeois. que tu as pu profiter un peu du soleil Grégoire, quand même? une substance capable d'infliger de telles souffrances que j'ai fait le serment solennel de ne jamais en produire. Eh bien, le général en produit. Il oblige les gens de Siwa à enarmer ses balistes contre leur propre pays. Et à cheval, tu connais pas, genre, je sais pas moi, le signophile, j'en sais rien pour dire que tu vas tourner parce que moi j'allais continuer tout droit du coup. Le son va nickel, merci Nola. Et du coup, qu'est-ce que tu racontes de beau? Maudit soit mon orgueil. J'aurais dû brûler mes notes. Le général Agrippa a dû les trouver. Alors il faut arrêter Agrippa. Fais ce que te dicte ta conscience, Bayek. Mais tu dois comprendre que je ne peux comploter contre un général romain. Et ce, quelles que soient mes inclinations personnelles. Ah bah tout à fait. Récupère cette formule et je la détruirai. Je refuse d'avoir l'immolation de l'Égypte sur la conscience. Que Jupiter te protège, Bayek. Eh bien, pourquoi c'est toujours nous qui finissons par faire le sale boulot? Vraiment, là, je crois que ça va pas du tout. Oui, le week-end va bien, sympathique. Hier, j'étais au resto de... Eh, trop bien! Tu es allé manger où? Et c'est à ce moment-là qu'il va nous sortir que il est allé manger... Ah, mais il est pas si loin que ça, en fait. C'est là qu'il va nous sortir le restaurant chinois. Thaïlandais. Attends, c'était chinois ou thaïlandais? Pas du tout. Le restaurant asiatique qu'on doit aller manger depuis bientôt maintenant 2 ans, qu'il n'arrête pas de nous en parler. Je suis sûre. À tous les coups, ça va être ça. Alors, du coup, notre objectif se trouve... voilà. Très bien. On va pas du tout se faire dilapider dans cette forteresse. Non, pas cette fois, je suis allée manger érythréen. Oh, érythréen, je n'ai jamais mangé érythréen. Je ne connais pas. Là, j'avoue, je ne connais pas. Est-ce que c'est bon? C'est épicé? C'est plus légumes, plus fruits, plus... on sait pas trop. Alors, eux, je sais qu'ils ont... Pour l'avoir fait en off... Je crois que je l'avais fait en off ou j'étais avec vous. J'ai un doute. Je sais qu'ils ont un feu quelque part, mais oui, il est là-bas. D'alarme, hein, bien évidemment. Moi, je me méfie toujours avec. Et coucou, Ace! Et merci pour ton 3e mois du sub. Comment vas-tu, mon grand? Très plaisir de te voir. La meilleure team que j'ai vue. Oh non, t'es trop mignon. Merci, merci, merci 1000 fois. Allez, moi je veux les gens qui fassent un bordel dans le chat et n'hésitez pas à utiliser les émotes. Oublie, pardon, j'ai tapé dans le micro. Pour Ace, c'était une innovation for Ace, please. Comment ça va? C'est très bon, très épicé par contre. Ah oui? Mais toi, tu supportes bien l'épicé, non? Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Non, sans blague. Tu crois? Oh.
crever. Ah mince. Est-ce que... Baby. On est dans une discrétion la plus ultime, vraiment. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end du coup? Alors, là il faut que je me gaffe. Je vais juste aller piéger ce feu. Si jamais il nous arrive un pépin, parce que... A pas entendu, parfait. J'ai joué et je suis crevée. T'as joué à Origine? Il est où ce feu? Ah, il est là. Oui, il faut pas que ce soit trop fort non plus. J'aime bien, oui. Ah! T'auras vite pris le temps de... rappelez-nous notre truc qui se trouve où? Non mais please, je me souviens plus où est-ce qu'il est notre truc. Qu'est-ce que je fais avec cette lance, s'il vous plaît? Merci. Ok. C'était pas du tout la meilleure manière de se... pardon, mais excusez-moi, mais... Je ne sais plus. Eh ben. Oups. Attendez. Les gars, je vous lis dans 2 secondes parce que je suis un peu bête. Et parce que si je me fais tuer là maintenant tout de suite, en fait, il n'y a plus de jeu. Voilà. On peut prendre. Voilà, merci. Je déconne pas non plus. Vas-y, ils nous ont pas vu. Ah non. Il sait pas où il est. Il sait pas où on est. Coucou, Ars, comment vas-tu, ma belle? Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Oh bah d'accord. Allez, hop, hop. Ouais, d'accord, très bien. Ouais, ok. Ouh, calme-toi, Jean-Jacques. Attendez, j'arrive, hein, j'arrive le chat, ok. Non, vas-y, casse-toi, voilà, stop. Ok, on va juste reprendre des forces parce que notre personnage est un peu tub. Un petit peu, je précise, hein. Pas très méchant, mais... Ah bah oui, on est juste trop fort. Comment allez-vous, hein? Non! Ah bah voilà. Allez.
Oh bah vas-y hein. Tu sais quoi? Non 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 non, vas-y. Casse-toi de l'autre côté plutôt. Il est où Starché? Merci. Ok. Ouf. Allez. Allez. Hop. Et là. Il va mourir un jour celui-là ou pas? Allez, vas-y. J'ai plus de munitions. Là, normalement, il est mort. Oh non, il est pas mort. C'est une blague. Attendez. Oh, merci, hein. Quitter la zone de combat. Allez. Merci. Ah. Attendez, on va lire le message. Attendez. Non, mais casse-toi, toi. Alors, c'était pas rapide, mec. Il y a un bout d'un moment. Mange moins de patates et de poulet. Et fais du sport. Dit la meuf qui. Ne peut rien dire. Je sors juste de la zone. Parce qu'en vrai, on a terminé la mission, on l'a pris. Et maintenant, on peut. Et je vais juste aller me cacher. Allez, saute un peu. Voilà. C'est bien ça. Bravo. Voilà, on me voit plus. Tous ceux qui s'allient aux monstres et aux démons doivent mourir, général. Ils ont utilisé la formule. Il faut que je détruise les stocks de feu grégeois. Bah oui. Là, on a vraiment pas le choix. Eh ben, c'était un peu intense, hein, ce début de combat. Parce que déjà, je ne sais plus me battre. Tout va bien. Et en plus de ça, my god, qu'est-ce qu'il est lent. Non, j'ai un match à 15h. T'as eu un match à 15h aujourd'hui, Ace, du coup. Comment vas-tu, Herb? Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis la dernière fois? Ça fait un petit moment. Ça me fait cri-cri plaisir de te voir, en tout cas. Ça va bien, j'ai un peu la gueule de bois, mais ça... Mais qu'est-ce que t'as foutu? T'as festoyé quoi? Dis-moi tout. C'était quoi ta mission? Alors, la mission, c'était d'aller chercher... justement, c'était une quête secondaire. D'un feu grégeois, tu sais. Que l'architecte avait mis en place. Et que, en fait, ça a fait un mal de chien, donc du coup, il l'a enlevé. Mais le personnage du lion... Je sais plus comment il s'appelle, là, le capitaine ou je sais pas quoi, l'a volé à cet architecte et du coup l'a mis en place. Voilà. Est-ce que je suis très très. Explicite. Explicite, tout va bien. Moi j'avais plus de connexion, du coup je pouvais pas venir et j'ai fêté l'anniversaire de mon pote, donc hier il y avait alcool. Waouh! Alors, je me dis, juste parce que les réseaux, l'alcool. Voilà, à consommer avec modération, s'il vous plaît. Ne faites pas comme Hop à se retrouver en gueule de bois. Ou alors, si vous le faites, vous déposez les clés si vous avez le permis, vous dormez chez la personne, ou vous rentrez en taxi. Bref, toutes les solutions sont possibles. Voilà. Et ben, en vrai, j'ai pas gerbé. Eh bien, bravo, madame. Bravo, bravo. Non, mais c'est vrai que la gueule de bois, on est d'accord. Mais il n'y a pas de souci, écoute, bah voilà, si on n'a plus de connexion, bah la vie est triste, comme on dit. Nola, vous avez oublié mon jeu des trois mots. Ou bien... Est-ce que quelqu'un a vu le jeu des trois mots de Nola? Moi, je ne l'ai pas vu passer. Je sais qu'il y en a un qui essaye de se... Caché! Il essaye tout simplement de pas le faire. Parce que il a pas d'idée et parce que j'ai donné des noms trop compliqués, parce que je suis beaucoup trop forte. Ah mais il est dans le château le machin. Ok. Non, je t'ai pas oublié. Ah bon? D'accord, Nola, tu m'as pas oublié. Comment embêter tout le monde? Miss Cascou. Là, il y a des
Mais non, là, y a personne, vas-y. Ah, t'as compris ma mission? Heureusement que toi t'es un vrai. Ah bah non. Okay, très bien. Ok, tu me casses les bonbons. Oh, tu sais quoi? C'est pas déjà le feu? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais plus là. Oh là là, ça fait un moment comment. Ah oui, c'est ça. Et hop les. C'est pas. Ok, parfait. Les deux, hein. Ah non, si celui-là il nous voit, on va se faire péter les dents. Mais vas-y, saute! Tu fais quoi, andouille de macaque à cul bleu? Ah non, tu m'as pas vu. Parce qu'en vrai, je suis juste trop forte. Oh! Merci. Oui, bon, je savais plus. Tais-toi. Laisse-moi être juste con-con. Est-ce que ça te va? Ah, mais il est là-bas. Purée, mais il y en a du monde. Ok, ok. Allez, saute. Ouais, tu nous as pas vu. Tu nous as pas vu. Toujours pas vu. Ah. Je vais où, là? Je sais pas où je vais. Au revoir. Ce fut un plaisir d'avoir fait affaire avec vous. Oh non, là, c'est bon. Hein. Les capitaines, ça me casse les bonbons. Hein. On m'a pas vu. C'est parfait. Moi, j'aime quand on me voit pas. Allez, mais... Ah, des fois, il me casse les bonbons. On dirait qu'il est bourré. On dirait Herse. Je rigole. Je rigole. J'avais juste envie de t'embêter. Je rigole. Bah, tu vois, tu t'as compris. Tu nous as manqué, en vrai. Donc, il fallait bien que je lance une boutade. Parce que sinon... C'est pas drôle. S'il n'y a pas de boutade, qu'est-ce qu'on fait après? Vitruvius voudra savoir que sa formule est entre de bonnes mains. Nickel. Ah non? Toujours pas. Très bien. Toujours pas. Est-ce que je peux... Magnifique. On va passer de l'autre côté comme ça, là. Et on va descendre. Composé de soufre, de salpêtre et de substances grasses, j'ai pu fabriquer du feu grégeois. Est-ce que tu as inventé ça toi-même? Pour ensuite brûler la maison de Soso. Ah! Ah! Maintenant tu es en guerre avec Soso. Je te rappelle que tu as eu des enfants qui sont tout noirs. Dit comme ça, c'est vraiment chelou ma phrase. Mais pour ceux qui ne suivent pas le jeu Bramble, vraiment, au secours. Qu'est-ce que vous faites? La pète en gamme. Donc ouais, j'ai effectué la danse de la joie avec ma tulipe. En vrai, qui dans le chat donnerait tout pour voir Nola danser autour d'un feu grégeois? Avec une tulipe. Vraiment. Qui veut voir ça? Levez la main. T'inquiète, les pires, c'est que au mieux le club bourré que sobre. Ah ouais? Ah non, mais c'est trop drôle. Mais parce que tu te concentres mieux, alors. Ou bien? Oui, c'est...
C'est abusé. Oh là là. Eh bien, je tout comprends, parce que, fut un temps, j'étais exactement la même. J'étais complètement arrachée. Maman, si tu regardes ce stream, enfin la rediffusion de ce stream, parce que je sais que tu check ma chaîne de temps en temps, éripée, vraiment, ne me juge pas. Je me suis trouvée complètement arrachée, et vraiment, genre, je sais pas comment j'ai roulé mon... ma cigarette, mais vraiment j'ai... Elle était droite, elle était belle, elle était bien faite. Voilà quoi. Non mais c'est toujours comme ça de toute manière. Toujours. Moi j'aimerais trop. Merci Yes. Du coup je vais toujours prendre une bouteille de vodka. Ah tu dis parce que... Ah. Oh non. Attention à l'alcoolisme, ça va plus du tout. Boire de l'eau, beaucoup trop d'eau, c'est pas bon pour la santé. À la place, faites comme Earth et prenez des bouteilles de vodka, comme ça vous roulerez vos clopes. Oh pardon. Non, s'il vous plaît, ceci est de l'humour. Au cas où vous avez pas compris, parce que je suis sûre que je vais me retrouver avec avec les gars de la santé sur le dos là en mode mais... T'es en train de faire quoi là, sérieusement? Machin, ça va pas du tout. Tu roules mieux bourré que ça. Ouais, mais il y en a plein qui me disent ça. Hein. Moi, en temps, j'avoue. Tu as trouvé ma formule. L'Égypte ne brûlera pas aujourd'hui. J'espère qu'elle ne brûlera jamais. Et le général Agrippa? Renola! Il refusait de me la remettre. Ah, c'était un bon Romain. Il n'a jamais compris qu'être Romain n'empêchait pas d'être un homme bon. Flavius a nourri l'orgueil et l'ambition d'Agrippa avec son fantasme d'empire. Je crains que ses partisans ne sèment la mort et la désolation dans leur sillage. Je crains aussi. Mourront. Et toi, tu es un homme de valeur, Vitruvius. Tes paroles et tes actes le prouvent. Je m'y efforce, mon ami. Merci encore, Bayek de Siwa. Tu demeures l'un des seuls vrais protecteurs de ton peuple. Ouais, surtout les alcools blancs. Je suis assez d'accord. Je viens de me rendre compte, hein, mais Bayek, là, il nous a une quad-quad sur le côté, là. On est d'accord. Eh bien, vous savez que c'est, genre, l'une des coiffures que toutes les mamans adorent faire à leurs petites filles. Je détestais quand ma maman me faisait la quad-quad de côté. Je comprenais pas le délire. C'était pas symétrique, c'était pas beau. J'avais envie de m'arracher les cheveux. La meuf, elle exagère absolument pas. Alors, du coup... c'était quoi la mission, là? Tron et Flavius ont trouvé une pomme gâtée. Vous savez quoi? On va faire ça. Ma foi. On y va. Donc, le rhum blanc, ça te fait ça aussi? Par exemple. Ou les vermouths blancs. Oui, parce qu'il y a des vermouths d'autres couleurs. Oui, tout à fait. Et on court dans le désert. Il fait très chaud dans le désert. Tu es en train de me spoiler, c'est cool. Non mais Ace, fais genre... T'as jamais joué à ce jeu-là? En vrai. Mais oui, tu m'as dit que tu l'avais fait. Moi aussi, hein, tu sais, ça fait un moment que je l'avais pas joué celui-là. Voilà. C'était la meilleure réponse du let's play là. Tout à fait. Non, la vodka, tu la fous dans une bouteille et tu vas en cours. Oh my god. Prends des menthols avec. Genre comme ça tu pues pas. Oh mon dieu. C'est comme le sketch de... Comment il s'appelle? Paul... Paul quelque chose. Ah. Un grand... blond... il a les cheveux... J'allais dire mi-long, mais ouais. Mi-long, en carré, il a des lunettes. Et il a un humour assez, assez sérieux quand même. Mais trop drôle en même temps. Et il parlait justement... Imaginez si le monde était tous pété. Il a fait un sketch là-dessus et c'était vraiment trop drôle.
Paul Mirabel, merci. Heureusement que t'es là. Enfin, qu'est-ce que je ferais sans toi? Je vais te laisser. Oh non, oui, c'est déjà. Bon bah merci d'être passé. Des gros bisous. Passe une excellente soirée. Ah oui, tu dois aller manger. D'accord, ok. Bon appétit. J'espère que ça va être très très bon ce que tu vas manger, que tu vas te péter le bide comme d'habitude. Alors, Nola, est-ce que tu es en train de te venger des jeux des trois mots que je viens de te faire à l'instant précis? Lombago, c'est quoi le enquesanum? Je sais même pas comment prononcer ça. Eh non mais sérieusement, attendez, les gars, il a écrit enquesanamon. Enquesanamon? C'est comme ça que ça se prononce? Je sais pas, hein. En vrai, là, j'ai bugué, hein. Fois mille, hein. Enquesanamon et chenille. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je prononce bien? Ouais, c'est ça, il fait son malin, là, Nola, là. Non, en vrai c'est quoi? C'est un nom? C'est une ville? C'est un personnage historique, et que je ne connais pas parce que je suis teubée. C'est du français. Oh, le chat... tuer. Encaisser Namoun, ça se prononce. Oh my god. Ah ouais, moi je vois O-N, je dis Mon, pas Moon. Encaisser Namoun. Mais c'est quoi ça du coup? Parce que si je sais pas, je vais encore te faire une phrase, ça voudra rien dire. Et puis je suis sûre que même pour la rediffusion, s'il y a des gens qui sont pas très intelligents, mais très bien instruits, en vrai, ils vont se foutre de ma gueule. Il est pas très gentil. Là. Je suis sûr, en fait, il a ouvert le Nola. Je suis sûr, c'est le pro. Il allait chercher son dictionnaire. Il a ouvert une page comme ça en mode YOLO et il a dit tiens, je vais mettre ça. Parce que l'autre greluche là, il m'a mis un challenge. Je dirais pas compliqué, mais il y avait des mots qui avaient rien à voir, vraiment. Donc moi aussi, j'ai envie de l'embêter, là. Je suis sûre. À tous les coups, je suis sûre. Non, sincèrement, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait dans le chat, s'il vous plaît? J'aurais pu. Oui, effectivement, tu aurais pu, ouais. Mais du coup, si quelqu'un sait, très volontiers que vous m'expliquiez dans le chat, s'il vous plaît. Pendant que moi j'avance, je sais même pas pourquoi je suis partie en courant. J'aurais pu très bien appeler mon cheval. Mais bon, j'avais envie de courir dans le jeu, hein, parce que dans la vraie vie, je cours pas. Hein. Je cours uniquement si c'est la légitime... voilà. Parce que j'ai envie de courir. Nope, je suis une brêle en français. Mais de base, moi, j'adore le français, mais là, je sais pas. Un personnage de l'Égypte? Un personnage de l'Égypte? Mais moi, tu crois que je connais tous les personnages de l'Égypte? C'est un pharaon. J'arrive plus du tout à parler. Voilà, ça y est. Est-ce que c'est un pharaon? Oh, au secours! Non, mais s'il vous plaît. Et bim, un bécheret dans la gueule à Nini. Non mais s'il vous plaît. Est-ce que c'est un pharaon? Waouh. Waouh, ça a été compliqué de le balancer celui-là. Hein. Au secours. Hein. Désolé, je suis outré de mon langage. Où est-ce que je dois passer? Est-ce que je dois aller dans une cour? Ils ont tous des cours intérieurs, c'est trop stylé. En vrai, moi, dans ma maison, je veux vraiment... Mais Nola, t'es sérieux de te foutre de moi comme ça, là? Tu connais Phare, c'est le pharaon. Oh là là. Non mais, en fait, Nola, là, il est en train de se foutre de moi parce que j'ai dit Phare. J'arrivais pas à prononcer pharaon. Parce qu'il est très gentil. Comme tu peux le constater. Mais ce n'est pas le pire. Les mères et les épouses des malades du temple ne peuvent que se lamenter dans les rues. Allez, leur permet pas. Moi je dis un petit brocoli pour Nola. Ça n'est pas une coïncidence.
Non. Et ensuite, je fais ma potion de sorcière pour Nola, comme ça il va bien bouillir. Et puis il va aller prendre sa potion. Et ensuite, il va se faire attaquer par des chauves-souris. C'est pas mal ça, non? Méfie-toi. Je reviendrai après avoir parlé à Krios. Alors. Allez, encore dans un temple. Mais oui, mais bien sûr. Bah, bien sûr. On doit être par là. Mais. Il est en haut. Voilà. Il est en haut, en bas, à droite, à gauche, quoi. Aide-moi, je t'en prie. Mon amour pour Flavius va me consumer. Personne ne peut me satisfaire. Ni toi, ni toi. Personne, à part le proconsul de Cyrène. Eh ben. Est-ce que c'est de l'amour ou de la dinguerie? Flavius l'a éloigné de son mari et de son enfant. Bah super. Tu as vu le proconsul? Tout ça, et ben je suis gâtée. Ah ouais, t'as vu ça? Non, du monde. Alors, en attendant, il se fiche de moi parce que j'arrive pas à dire pharaon. Mais lui, il sait pas conjuguer le verbe gâter. Flavius, si seulement il pouvait le voir comme je le suis prête à mourir pour croiser de nouveau le regard. Mais meurs et tais-toi dans ce cas. Arrête-toi, écoute-moi. Sans l'amour du grand Flavius, c'est la mort qui m'attend. Je tuerai ma famille pour une nuit avec le lit. Qu'est-ce que je dis? Aide-moi, je t'en prie. Mon amour pour Flavius va me consumer. Il est déjà en train de te consumer. Tu parles trop et tu fermes pas, pas assez ta gueule. Pardon, excusez-moi, mais là, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'il se taise, hein, le monsieur. Hein. Enfin, le monsieur, la madame, quoi. Bah, en même temps, tu te fiches de moi, mais t'as vu, Nola? Eh bien, si je lis ta phrase vraiment comme tu l'as marqué, eh ben, je suis gâte. Oui, tout à fait. Nous sommes totalement d'accord, Nola. Tu es gâte. Oui. Il n'a vraiment rien qui peut satisfaire la madame. Je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à lui proposer à la madame? Mais pardon, excusez-moi, mais d'où vous foutez off ma gueule dans 2 secondes et demie? Non mais excusez-moi quoi, allô? Waouh! Allez, vas-y. Allez, et tous les gardes sont du fond, ils m'ont pas vu. Alors, il est en haut à l'étage, en haut. Ouais, mais en même temps, il me tue. Comment voulez-vous que je accède à ça? Krios, qu'est-ce que Flavius t'a fait subir? Pourquoi il est debout sur une table contre le mur? C'est quoi ça? Réveille-toi! Où est Flavius? Où est-il? Prends ton envol, corbeau! Elle n'est pas à mon goût. Non, elle n'est pas à mon goût. Notre vie gâchée par ce vautour de Flavius. Des murmures? Des murmures? Hein? Mélita, la vipère du bâton! La prêtresse? Non! Non, Seigneur Flavius! Pitié! Ok. Est-ce que... on lui a fait un lavage de cerveau, peut-être? Non, ils nous ont pas vus. Mais non, tu nous as pas vus! Arrête-toi! Écoute-moi!
Sans l'amour du grand Flavius, c'est la mort qui m'attend. Je tuerai mais mort, ma famille. Mais suis... non, 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 non. Anisha, nous sommes sur un... Sur un... Praxila. Ah non, je peux pas sauter comme ça. Arrête de brailler. Les malades ont besoin de repos. Praxila. Voilà. Tac. Mais non, sérieusement? Ah, faut... Waouh. Bon, je pensais pas dans ce stade-là, hein. Je pensais plutôt genre, est-ce que tu aurais une idée pour la soulager? D'accord. Oui, je suis compliquée en matière, madame, t'as bien raison. Il faut prendre soin de la crème de la crème. Non! La prêtresse! Un serpent dans la pomme! Nola, est-ce que t'es en train de nous faire croire que tu es un ange? Des murmures et des secrets voilés. Son sanctuaire des murmures. C'est toi, Bayek, qui l'a mis dans cet état? Est-ce que Praxila t'a dit où elle allait? Dans les montagnes, mais... Occupe-toi de lui, je te le confie. Je vais au sanctuaire des murmures. Eh bien, allons-y au sanctuaire des murmures alors, puisqu'on n'a pas le choix. Très bien, il a l'air traumatisé notre petit gaillard, c'est parfait ça. Très bonne pub, l'ami. Bon, allez, Jean-Michel, allons retrouver notre madame, je sais pas trop quoi, là, qui fait des lavages de cerveau. Oui. Tu continues comme ça, Nola, nous allons faire un procès pour savoir définitivement si nous te jugeons fort. Fort et innocent, ou juste si t'es en train de... Je te présente toutes mes excuses, Thanasis. De nous doubler. C'est quoi le jeu des trois mots? Oh, pardon. Alors du coup, enfin, en fait, le jeu des trois mots. Donc, tu peux aussi y participer, donc ça fonctionne avec les points de chaîne. Et quand tu balances ça, en fait, tu nomines quelqu'un qui est pas forcément sur le chat, hein, parce que sinon ça fonctionne pas. Et du coup, tu dois créer une phrase... avec ces trois mots, du coup, qui sont imposés par celui qui a utilisé les points de chaîne. Voilà, en l'occurrence, pour toi, c'est bougie, grotte et perruque. Je te souhaite bonne chance. Ah. Ok. Elle m'inspire pas confiance, la droite, là. Vraiment, je... ça pue du cucu, ton histoire. Pourquoi on est toujours dans des endroits sombres, humides et des et terrifiants? Ouais. Je ferais bien d'être prudent par ici. Oh, bah alors là, c'est de la triche, hein, parce que j'avais demandé une double assassin, hein. Vraiment nul, hein. Bah, casse-toi. Je suis trop forte. Non. Non. Je suis trop forte. T'es en feu. Il était plus lent. Donnez-moi la moulaga. J'étais dans une grotte avec une bougie et ma perruque a pris feu. Oh merde alors. Bien joué pour la pour la phrase. Oh waouh. Oh non, c'est chaud ça. Genre mais qu'est-ce que t'as foutu avec ta perruque, Herf? Vraiment désolé Anisha. Quoi, désolé, souris, Genève et pistache. Non mais t'es sérieux, Nola? Je suis allée à Genève pour rencontrer Nola, qui du coup m'a posé un lapin. D'accord. Et quand je lui ai envoyé un petit message, il a dit qu'en fait, il voulait essayer de faire un moule au chocolat, là, en forme de souris. Et genre, ce serait la cantine de la souris verte. Et donc, du coup, il aurait, pour la souris verte, ce sera goût pistache. Autant vous dire... que c'est compliqué. Oh non, je suis trop désolée. J'ai oublié de te dire... Non, 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 non. Ne fais pas ça.
tout ce qui est sound alert quand je joue en console pour l'instant. D'accord. C'est pas possible, ça se met pas. C'est uniquement quand je suis en live react. Il faudra que rende tes points. Nola, tu n'es pas sur ordi, je suppose. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Praxila. Malheur et damnation. On va te rendre tes points. Hein. Ne t'inquiète pas. C'est fait pour. Non, sur Nat. Alors, GG pour le 20h20. Mais Nola, t'es mon modérateur préf, tu vois. Comment mon modérateur préf, ok, qui me suit depuis le début sur Twitch, il peut modérer sur téléphone? La meuf, elle engueule ses modérateurs. Mais non, mais c'est pas vrai. Je vous embête. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est une secte. Assassiner la prêtresse. Ok. Très bien. Ils sont combien dans cette équipe de Zozo, là? Parce que ça m'inspire pas du tout. C'est ça. Soyez reconnaissants. Vous servez Rome désormais. Elle est pas censée. Ah oui, tout à fait. Sa femme était une guérisseuse. Oh pardon, mais je l'ai. Non. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Non, casse-toi. Allez! T'arrives pas à faire un enchaînement, frérot? Waouh! Récupéré. J'ai le seum, je voulais t'embêter. Mais toi aussi, en fait, la conjugaison, tu rejoins Nola, en fait. Si je lis votre phrase, j'ai le seum, je voulais t'embêter. Vraiment, le cours de français par ici, c'est pas mal, hein. Pourquoi Nola as-tu mis un truc de Tekel? Dis-moi tout. Et les portes ici, elles sont invisibles? Ah voilà. On va libérer quand même les prisonniers parce que ça va pas du tout. Ok, on est des gentils. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes par là. Alors, sur la prophétie de l'oracle, nous avons reçu la prophétie suivante de l'oracle d'Apollon. Et nos prêtres travaillent toujours à leur interprétation. Ouh là là! Si j'obtiens quoi que ce soit nous permettant d'agir, je le ferai savoir immédiatement. Une nouvelle paix viendra. Cherche le Quoi? Le Trimuvral? Trumdan? Comment tu prononces ce truc? Triumviral? Virat? Oh my god, I don't know. La guérisseuse, l'architecte et le juge. Le bâton de guérisseur n'est pas ce qu'il paraît. La vipère se déroule au murmure des mensonges. Donc du coup maintenant on a l'architecte, le machin, le truc, le zi, le zin. Présence militaire égyptienne. Bienvenue au club. on va faire un club de ceux qui savent pas écrire dans le Discord. D'ailleurs, pour ceux qui me regardent actuellement, vous pouvez mettre point d'exclamation Discord si jamais dans le chat. Et vous avez le lien qui vous permettra de rejoindre la petite communauté de Pépitos. Attendez juste deux secondes s'il vous plaît. Alors, Flavius, il faut avant tout que tu saches que des espions égyptiens sévissent dans la région. Ce sont eux qui ont apparemment fait sortir l'essentiel de nos informations. Cléopâtre, la maîtresse de César, a l'ambition de devenir reine de Rome. Je ne serais pas surpris qu'elle navigue sur le Tibre dans une barque faite d'or. Comme tu as pu le remarquer à la bataille du Nil, les forces sont essentiellement composées d'hoplites et de lanciers. J'espère vraiment prononcer correctement, les amis, hein, parce que là, on est bon.
attaque avec des éclaireurs à cheval, de la cavalerie lourde, sans oublier les étaires. Étaires. Oh my god. J'arrive tellement pas à lire. Étaires. Oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ta garde personnelle montée, général Agrippa. Waouh. Waouh. En fait, c'est tellement des mots qu'on utilise tellement peu souvent que... Waouh. Attendez, j'ai mon chien qui est en train de vouloir essayer de monter sur la le lit. La prêtresse, elle a torturé ses innocents. J'ai tellement honte. Cette femme était une guérisseuse. Ouais, cette femme, c'est souvent les plus corrompues. Ah, oh. Oh. Si je pouvais, je réduirais cet endroit en cendres. Un mal terrible règne ici, Bayek. J'ai peur pour l'avenir de la Cyrénaïque. Mélita était folle. Cette relique, celle que Flavius a utilisée à la ferme, il s'en est servi ici. En voyant Krios, je l'ai su. Je l'ai senti enfoncer ses griffes dans mon esprit. Elle est malsaine et insidieuse comme un parasite. Elle a le pouvoir de contrôler les esprits et de faire de nous des esclaves. Notre sort nous appartient, Praxila. Et nous lutterons toujours pour ça. De la moula, on a gagné 3 pièces d'or. Incroyable, n'est-ce pas? Où ça? Ici. Salut, beauté! Ah bon? Ouais. J'ai quitté la mission, mais... La mission, pardon, mais elle se trouve ici, la meuf, hein? Hors du sanctuaire. Bah ouais, il faut qu'elle me suive, la meuf. N'importe quoi. Mélita ne pouvait être sauvée. Tout ça à cause d'une lionne, quoi. S'il vous plaît. Je lui aurais tranché la gorge moi-même. Merci. Pour moi. Pour Balagrae. Je n'aurais jamais osé demander autant. Merci, Fabien. Bonjour, Fabien. Pour que la liberté ait encore un sens. Tu n'en as jamais assez de laisser comment tant de gens derrière toi? Une part de moi. Oui. Mais je n'ai jamais eu le choix. Et des gens, j'en rencontre d'autres. Ta terre ne mourra pas, Praxila. Tu es sa guérisseuse, sa protectrice, son Medjay. Il est temps désormais de laisser cette folie derrière nous, Bayek de Siwa. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Oh, nous avons gagné un point d'altitude. Incroyable, et une lance des sirènes. Waouh! Waouh! Bon, alors, du coup. C'est bon. On peut y aller. On est d'accord? On est tous là. Et tout, pitou, pitou. Mais cette fois, on va pas faire ça à pied, les gars. On va faire ça à cheval. À deux rues de tampon. Ah non! 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 Voilà, tu recommences pas avec Tata Yo-Yo, je te l'ai déjà dit. Ça suffit maintenant. D'accord, il y a déjà Choupi. Il fait quoi ce cheval? Tu es bête. Terminons ce texte, s'il te plaît. Non, je rigole. Ceci est une grosse plaisanterie. D'accord. Je ne demande pas à mon cheval de terminer en steak. Ce n'est point vrai. D'accord. Vous êtes tous des gros menteurs. Je peux pas passer par là. Je peux pas passer par là. Où est-ce que je peux passer alors? Il y a pas une route là? De quoi? Mais voyons, mais enfin. Et le chien, t'es un petit peu maigrelet. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. C'est une bizarrerie. Ah, en fait, cette route, elle tourne par là-bas, peut-être. Non, c'est une bizarrerie complètement bizarroïde. Je vais où? Mais voyons. Mais nous allons pas du tout dans le truc initial. Bon, vous avez quoi? Je vais tricher. C'est bon le steak de cheval. Alors, moi personnellement, j'aime pas. J'aime pas le steak de cheval. Avec une bonne sauce poivre.
me parlez pas de bouffe, les amis. Vraiment, parce que là, moi, j'adore manger. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je fais que bouffer. Genre, bientôt, je vais me retrouver genre en mode petit porcinet qui aura trop bouffé. Avec un gros bidon, on aura l'impression que je serai enceinte de triplé. Genre, j'ai envoyé un petit message à ma petite maman, parce que par chez moi, j'ai pas de petit magasin asiatique. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'acheter la poudre coréenne de piment. Laissez tomber, les gars. Elle a réussi à me trouver ça. Je suis trop refaite. Je suis trop refaite. Parce que vous savez quoi ? Je vais pouvoir enfin faire du vrai kimchi. Oh my god, j'adore ça. Je vais me péter le vide parce que c'est trop bon. Ils attaquent à vue par ici. Et ta mère aussi, elle attaque à vue. Ah, ouais. Bah non. Bah non. Au secours, au revoir. Trouver la vie. Olympus, est-ce que vous pensez qu'on peut passer par là ? Ou bien, est-ce qu'il faut qu'on passe par là ? Bah, accessoirement, j'ai plus l'impression qu'on doit passer par là. Mais peut-être que c'est juste moi. Salut, mec, comment vas-tu, mec ? Il fait bon ce soir. La bouffe, c'est la vie, mais clairement, Nola, c'est trop bon. Non, sauce roquefort. Là, vraiment, tu m'as pas du tout convaincu. Hein. Comme on dit dans la vie, le gras, c'est la vie. Dans Kaamelott, pardon. Dans la vie. Oui, Anusha, tout à fait. Avec des bonnes patates au four. Oh ouais. Mais où sommes-nous? Bonjour les poupoules. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Mais what the fuck? Donc là c'est une ville. Eh ben c'est une très jolie ville. Vous en pensez quoi de la déco? Un peu rurale. Un peu pentu quand même, hein. Moi je trouve vraiment l'entrée, elle aurait mérité d'avoir des escalators un petit peu là pour les paresseux, genre. Ou genre moi, ou Nola et Earth, genre on a trop mangé, vous voyez. On a roulé parce qu'on parle alors de bouffe. Voilà la brillante cité de Cyrène. Voyons comment les Romains ont apporté leur soi-disant civilisation grecque. Une ode au lion de Rome. Des flèches acérées ont frappé mon cœur. L'amour contrarie la poitrine. Alors, récompense. Le champion de la reine, Polymaster. La trace est enfuie. S'adresse à Tanis de l'école prédateur. Ok. Ou attiser la flamme soudaine en la combattant. Oh, Flavius. Je vais succomber. Ils sont tous en train de me casser les bonbons, en fait, à force de parler comme si on était tous teubés. Un des gladiateurs. Mais il est où le... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est un temple caché. Très bien. Moi j'ai vu un point de... Ah mais il est là-bas au fond, en fait. Bon, on va pas y aller tout de suite, les amis. Hein. Ils peuvent aller faire un peu mettre. Et nous, on doit aller là. Mais... Je crois que Nola, il a envie de se transformer en facochère. Les jeux malsains de Flavius n'ont que trop duré. Je dis ça, je dis rien. Il est où? Il est au centre du chemin, le machin. M'ont pas vu. Les gardes ne m'ont pas vu. Attendez. Il y a beaucoup d'Égyptiens à Cyrène. La souris. Je le suis déjà. Oh non. Mais toi, tu sors du lot.
La souris. Je te jure, sur ma vie, je suis allée dans un resto il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où. C'est avec ma sauce roquefort, maman. Alors moi, étant donné que je n'aime pas le roquefort... Suis-moi jusqu'à mon échoppe, je te montrerai. J'ai des arcs, des lames, des sceptres. Tu ne seras pas déçu, crois-moi. La souris te le garantit. Illustre... Bayek. Illustre... Voyons ce que tu as à offrir, souris. Tout à fait. Les Romains ne te cherchent pas d'ennui ? Bon, tu sais ce qu'on dit sur nos amis latins. Les Grecs ont inventé les parties à trois. Et les Romains ont ajouté les femmes. Très compliqué ton histoire, là. Il est revenu de Balagré complètement enragé. Il a exigé mes impôts de toute l'année. Quand j'ai refusé, oh, ils ont brûlé ma ferme. Les impôts. On peut en parler des impôts, si vous voulez. Ma femme, pas très jolis, les impôts. Il ne fallait pas lui résister. Oh, je déteste quand elle a raison. Léandre Perra, tu as ma parole. Ta parole, Dioclès ? Qui va ensemencer mes champs ? Qui va redonner vie à mes chèvres ? J'en ai assez de donc ce pays. Donc il a dû mettre tout ce petit gars. Ouais, je te jure, je pense qu'il était en mode, tu veux voir ma sucette ? Un petit peu quand même. Hein. Et toi, non ? De quoi notre vénéré magistrat t'a-t-il escroqué, égyptien ? Praxila dit que tu peux m'aider. Qui vient d'arriver. Je m'appelle Bayek. Ok. Et nous sommes censés. Oh, loup, pardon. Qui me montre bâillement. Il a cru que tu étais un enfant, je pense. Genre, dans la vie, comment aujourd'hui, va-t-elle? Il m'aurait emporté aussi dans son camion possible, blanc. Possible, compte tenu des crimes de Flavius. Je suis la piste sanglante de ce chien depuis 6 mois. Les rumeurs sont fondées ? Oui. Comme ces préparatifs de guerre. Un oppresseur de plus. L'Égypte ne retrouvera jamais la paix. Avec les des invasions bonbons, se exactement succèdent. Flavius fera de l'Égypte un vaste tombeau. Il gouverne depuis l'Acropole. Mais l'endroit grouille de Romains. Je prie pour que le sort te soit favorable, Bayek. Je dois m'occuper de ce magistrat véreux, Léandre. Reviens me voir. Si tu veux aider la cause de Cyrène. Merci, Dioclès. Il est temps que mon fils rejoigne les champs de roseaux. Ok. Ok, bon bah, très bien. Allons assassiner Flavius, du coup. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'endoctrinement. Nous ne rôdons pas. Oh bah, toi, avec ta voix, je pense que tu es déjà endoctriné, non ? Cette ville est pas mal. Non, vraiment, j'insiste. Hein. Peut-être un peu trop en pente. Mais ça a l'air pas mal. Me dites pas que le gars, il est tranquille en train de faire mumus dans son tombeau. Milakitaï, je t'en prie. Es-tu un protecteur ? Peux-tu m'accorder un moment ? Il en va du sort de notre fondateur. Oui, ben après, frérot. Moi, j'ai un gars à aller assassiner, là. Voilà. Qui m'a pas trop... Ok, alors attendez. Moi, je vais juste voir où sont les gardes. Ok. Ok, ok. Ouh ! Mais c'est qu'il y a du monde par ici, en fait. Alors attendez, parce que moi, je vois du monde... Mais c'est juste que c'est incroyable. Coucou mon Gabinou, comment vas-tu? Wow. Est-ce que vous voyez un petit feu là? Genre en mode ils peuvent tous alarmer les autres là, ceux qui sont pas très loin. Et ça va me mettre dans le... Il est là-bas. Il est là-bas. Bah on va se détendre du slip hein. Et on va faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire être discret. Je vais devoir être prudent. Exactement. Là-dessus, on est d'accord, mon cher. Et je suis pas first. Non, pas cette fois. Pas ici, non. Bah oui, mais ça va. Bing. Écoute, et toi? Allez, hop. Nous, on va grimper. On va faire la grimpette. Parce qu'en vrai, moi, je veux être... Voilà. Sur les toits. Personne ne nous voit. Le temple de Mars. Quel bonheur de retrouver les dieux romains hors de Rome. Le proconsul Flavius me fait froid dans le cœur. Oh, j'ai cru qu'il avait pas le mur, je me suis dit, ça y est.
pense le prendre et ça, ça va me sauver en revanche. Non, me dis pas. Je peux pas rentrer? Mais non! Bah oui, Anisha. Bah oui, Anisha, ça aurait été trop simple sinon. Et comment est-ce que. Ok, très bien. Par les fenêtres là? Vous croyez? Non. Si? Très bien. Moi, y va bien et toi? Quoi de neuf as-tu passé? Un bon week-end, Gabi. Tu crois vraiment que je ne te sens pas rôder dans les ombres, Bayek de Siwa? Ah, mais il est avec la truc là. Piste de meurtre et de massacre depuis ma terre natale. Maintenant, prépare-toi à payer pour la mort de mon fils! Non, Égyptien. Prépare-toi à te prosterner devant Dieu! C'est quoi ce qu'il a dans la main? Ah ok, très bien. Tu as tué mon fils! Mes amis! Allez, 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 allez. Oh merde! Ok, ok. Faudra vraiment que je me gaffe avec ça. Pourquoi tu ne m'as pas tué quand tu en avais l'occasion? Tu aurais dû rejoindre l'ordre. Tu as besoin de nous! Mais tu as choisi l'esclavage. Allez. Ouh, je sens qu'on va bien s'amuser avec lui. Le meurtrier de mon fils, qui se cache dans un temple. Ton ami Medjay Abzefa était têtu comme une mule, tout comme ton fils. Ah non, merde. C'est une blague. Calme-toi, frérot. Allez, hop. Voilà. Alors, attendez, parce que moi je sais plus où il est. Ils sont que des illusions. Ok, très bien. Je dois quand même les tuer. Ah, mais lui, eux, ils peuvent me faire mal, mais moi, je peux pas. Très bien. Ok, non mais très bien. Non mais j'adore, hein. Vraiment, c'est une chouette ambiance. Genre, ils peuvent nous faire du mal, mais eux, ils peuvent pas mourir, genre. Attends. Voilà, casse-toi. Qu'est-ce que je dois faire? Humeur. Non. Je vais pas utiliser mes flèches parce que, en vrai, Flavius, on a vraiment besoin pour Flavius. Est-ce que on peut. Ok. Ok. Donc, en fait. Ah, il y en a un. C'est Flavius. Ah, mais vas-y, casse-toi. Une illusion. Ah, mais vas-y. Alors, attendons. Tu vas bientôt quitter ce monde, Flavius. L'esprit ira bien lui percéder, comme celui des autres. Non, calme-toi, merci, on l'a plus. Il est où? Pourquoi il fait des roulés-boulés, vraiment, qui me servent à rien? Tu ne ressens pas mon pouvoir, mes capacités. Okay. Il est où? Voilà. Tu attendez, n'es rien les gars. D'autre qu'un paysan. L'Égypte n'est qu'un ramassis de chameaux et de tueurs de bouffe. C'est toi le chameau. Casse-toi. Ah non. C'est toi le chameau. Tu as empêché mon fils de rejoindre l'autre monde. Je suis le lion. Oh mon Dieu. Alors attendez, hop, voilà, je change juste d'arc. Je vais te dépecer. Allez, il est où? Je l'entends, mais il est là. Attendez,
Oh mon dieu, mais il se... le truc c'est que... Allez, désolé le chat, je vous lis dans un instant. Pardon. Mais pardon. Assez ! Affronte-moi ! Non non, il a... Ah, il a trouvé la pierre dans le... Dans le... Comment on appelle ça ? Ok. Dans le temple là qu'on avait vu. Ok. Hop là. Ah là. Non, c'était une illusion. En fait, le truc c'est que... Je vais t'arracher le cœur! Tu n'es pas un dieu! Tu es à peine un homme! Ok. Tu vas chercher dans la boîte! Non, 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 non! Non, non, pas aussi proche, pas aussi proche! Pas aussi proche quand même! Allez, vas-y, calme-toi! On se concentre. Ah, mais non, c'est une blague. C'est une blague. J'avais tout fait pour qu'il il la rate. Non, mais non. Mais il est pas. Il fait exprès. Comment ça, 15? Qu'est-ce qu'il y a, le 15? Qu'est-ce qu'il y a, le 15? Qu'est-ce qu'il y a, le 15? Je sais pas où il est. Ok. Voilà. Ok. On est bon là. On est bon. On est bon. Non, c'est une blague. Non, non. Me dites pas que il est. Il est ouf. Là. Ok. Non, mais putain de merde! Allez. Oh non, 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 oh my god, ça va faire mal au cul ça. Ok, ok, on l'a pas. Il est où? Je sais pas où il est, je le vois pas. Ok, on l'a. Je le vois plus. Et voilà. Et toc, les amis, on l'a eu. Bah tu vas la mettre sur la pote. Que des sauces pour éviter de passer un... Oh là là, vraiment. Alors si je viens de boire des bières, autant... C'est vrai, c'est vrai. Autant prendre de la qualité, c'est vrai. Mais après, Gabi, toi et moi, nous avons un autre âge que Earth quand même. Mais la bière, il existe des bières fortes, hein. Après il faut mettre le prix. Oui, c'est ça. C'était un enfant, Flavius. Ah bah normal, mon alors, enfant. Tu comprendras ce que je veux dire. Et oui, quand vous serez vieux et tout ridé. Non, je rigole, je plaisante. La mort de ton fils m'a valu le respect de l'ordre et de César. Je te l'ai. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur le stream. N'hésitez pas tous plus grands, à vous follow à la chaîne. Ici on passe toujours des bons moments, de rigolade et plein d'imagination et de bêtises. Parce que nous sommes des grands enfants par ici. On va dire. Au secours. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. T'aimes mieux que ça, Bayek, t'aimes mieux que ça. Parce que ton. Parce que tout ton va cœur bien, est plus pur. Je suis passé à travers les roseaux. Je me suis coupé. Bon. C'était parfait. Ah, moi je vois que ça bug pas trop, mais est-ce que chez vous ça bug aussi? Je t'attendrai dans les champs de roseaux. Oh. Notre fils! Peut-être Earth met une autre qualité d'image, peut-être que des fois ça peut changer aussi. J'ai passé 33 ans
Je peux dire que ma bière favorite c'est au parfum cacao au chocolat. Je te demande pardon. Le relique ne doit jamais être retrouvé. Aya doit savoir que le cas de notre enfant a trouvé le repos. Pour l'instant, non. Alors, si Nola... Si Nola ne bug pas... vraiment, les amis... Voilà. Tac. Parce que comme ça, tu alerteras pas tout le monde. Tu m'auras pas vu. Fallait juste être malin et passer par le haut au lieu de passer par le bas. Voilà, et tanky-tank. Et tanky-tank, personne ne m'envoie. Ah oui. Oups. Ouh, ça fait mal ça. Les tibias, ils étaient comment? Les genoux aussi. Zeus protégera notre tronc d'accueil. Bien qu'il t'aille. Es-tu un protecteur? Peux-tu m'accorder un moment? Oui, on appelle ça des ch'touts ou des impériales ch'touts. Oh, pardon, alors là, du coup, je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose, vraiment. La danse de la joie, en montrant son popotin. Nola et le popotin, peut-on dire que cet emoji te représente très bien. Vous goûtez une bière à la glace, normal. Bah là, je peux dire que c'est une faute de eau et les bières... Ah, la glace au café. Oh. Oh. What? Oui, c'est des bières qui se prennent parfaitement avec un dessert. Ah oui, oui. Bah écoute, moi étant donné que je ne suis pas... Enfin, depuis pendant très longtemps, j'ai pas pu boire de la bière parce que je la digérais pas. Maintenant, je commence gentiment à reboire, ça passe, mais c'est, voilà, c'est un peu tangent. Donc je n'ai jamais pu, entre guillemets, savourer mon palais niveau bière. Ou l'affûter, disons, d'une certaine manière. Donc ce qui a fait que je n'ai pas du tout emprunté la connaissance de la bière, si ce n'est la base. Par contre, au niveau vin et champagne, je ne vais pas dire que je suis imbattable, mais je m'y connais bien. Ouah, j'écris trop mal. Ben ça, c'est pas grave, Earth, t'inquiète pas, il y a Noah qui est dans ta bande, donc... Voilà, on va juste dire que c'est normal, hein. La bière, c'est comme le vin, tu peux l'associer à différents plats. Exactement, ouais. Il en va du sort de notre fondateur. Non, c'était une bière au goût glace. Mais quel genre de glace? Parce qu'il y a plein de parfums de glace. Bonjour. Je ne suis pas un Filakitai. Je suis un Medjay. Je peux t'apprendre quelques trucs. Eh ben, c'est jamais non, moi. Que nos amis romains apprécient peu la désobéissance civile. Pourquoi protestent-ils? Mais... Bah, juste un petit peu, Nola. Juste parce que j'avais envie de t'embêter. Juste un peu. Le centurion a fermé son tombeau. Certains disent qu'il a... Glace normale. C'est quoi la glace normale? Parce que pour moi, la glace normale, si je roule là. Avant de regagner l'acropole. Ou Strat-Châtel. Ou tu as de la glace à la vanille. Si quelqu'un trouvait quelque chose, ou à la framboise. Il pourrait me retrouver ici. Je serais ravi de l'aider. Ok, très bien. Bah, du lait sucré et concentré. Ah! Fleur de lait, exactement de là. Alors, moi, je savais pas que ça, c'était une glace normale. Hein. Moi, la glace normale. Excusez-moi, les gars, hein, je crois qu'on parle pas du tout de la même langue. Alors, du coup. Ouais. Bah, du coup, je crois qu'on les a tous tués, non? Non? Il nous manque le chacal. Il nous manque le chacal. Mais il nous manque un trou, là. Ici. On est d'accord, les amis. Il nous manque un trou. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin du jeu. Bah, la base de la galère avant d'y mettre la saveur. Exactement. Je suis d'accord. Alors attendez, la quête. Mais j'ai bien envie de faire celle-là, là. Bon, allez, on fait celle-ci, parce que en vrai, c'est toujours tout ainsi intéressant comme ça. On fait quand même quelques quêtes secondaires ensemble, bien évidemment. Pas toutes, mais une partie. Attention, je vais être plumé. Oh, wafafla. Mesdames et messieurs, où est-ce que je peux monter sur ce machin? Ah bah peut-être par ici. Peut-être que ce sera mieux. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien.
Je dis bien peut-être. Peut-être que depuis le toit, je peux aller leur dire « Allez vous faire foutre !» Mais... Voilà. Tac. Et hop, les... Les Grecs honorent fidèlement leurs morts. Aujourd'hui, ils souffrent comme les Égyptiens. Hein ? C'est quoi ce délire ? Fallait pas que... Ah ! Il y a des escaliers ! Oh, mais sérieusement ! Gabi, t'aurais pas pu me dire qu'il y avait des escaliers en bas, là ? Que j'aurais pu y voir ? C'est le mot collègue qui est pas passé ? De quoi ? J'ai pas tout compris, Gab. Merci ! Santé à vous aussi ! Je rigole. Je dis ça parce que Noël, il a mis des petites flûtes de champagne, ok ? Donc, santé à vous aussi. Et faites pas comme Earth, d'accord, buvez modérément, j'insiste. D'accord, même si vous savez que vous roulez mieux vos cigarettes roulées, non. Moi qui ai le seum car j'ai pas pu suivre cette série. Oh, t'as été censuré? Ah oui, j'ai pas vu. C'est qui celui-là, la modération? Mais je me demande. C'est pas un certain Nola qui est censé faire la modération? Vide. Bêtise et ivresse font un terrible mélange. Ah, il y a quelqu'un qui a bu. Qui a chopé les fruits et tout ça. Mis à sac. Les Romains cherchaient quelque chose. Du porno? Non, pardon. Oh non, Anisha, t'as pas le droit de dire ça. Les Romains n'ont vraiment aucun respect pour les morts? Non. Vraiment pas. Moi, je bois avec modération. C'est ma pote qui... Elle est congolaise? Oui. Il manque quelque chose. Avec cet insigne, elle a porté la paix et l'ordre à notre vie. Qui délivre cette reliée qui rentre de notre splendide villa. Non, vraiment, je bois avec modération. Tu as raison. Ma femme est congolaise. Ah ! Que j'épouse bientôt, je te l'ai déjà dit. Oui. Effectivement. Effectivement. Tu lui as déjà fait ta demande ou bien ? Alors, ici il repose le roi Manutens avec son arc, il a vaincu nos ennemis et tous les ennemis du dieu soleil et Apollon. T'as récompensé le enfant d'arc si tant est qu'il pouvait abattre les aigles dans le ciel. Waouh! Le fondateur a dû être enterré avec ses trésors. L'arc et le médaillon ont disparu. Les Romains ne valent pas mieux que les pilleurs de tombes. Les Grecs découvrent ce que c'est qu'être égyptien. Des terres, des dieux. Tes morts et tes reliques sont profanées par des envahisseurs. J'ai cru ne te pas l'avoir dit. Non, 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 tu l'avais bien dit, tu l'avais bien dit. Mais pas son pied, j'ai... J'ai demandé sa main, mais pas son pied, j'ai pas envie d'avoir mal au cul. C'est surtout que moi, personnellement, je trouve que le pied, c'est pas très flatteur. C'est... Voilà quoi. Il n'y a rien de sexitude dans un pied. Voilà, c'est pour ça que je ne comprendrai jamais les fétichistes. Vraiment, j'insiste. Je ne les comprendrai pas. Alors, parce que vraiment, là, je ne vois pas le délire. Oh, il y avait une lettre, là, collectée. Au-dessus de la sirène, toutes les montagnes vertes se trouvent au lac... Une source magique, je serai à la source de cette magie où surgit de l'eau d'une peur. Très bien. On en apprend hein, de ce truc, les amis. Hein. Moi, je te propose. Voilà, parce que sinon, tu ne pourras pas sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est bourré? Après, ne. Alors après, ne te mens pas, un bon massage au pied après une grosse balade et un gros massage, oh pas message, Anisha apprend à lire, désolé,
Une bonne douche, ça fait tellement du bien. Ouais, bah tu sais quoi? Non. J'avoue que on touche pas mes petits petons. Là-bas. J'avoue que moi, si je dois me faire un petit massage au pied, je me fais mon propre petit massage à mes petits pieds, quoi. J'avoue. Allez. Oh non, pas dans la foule, pas dans la foule. On n'a pas tué quelqu'un, c'est pas vrai. On n'a pas du tout atterri sur quelqu'un. C'est encore pas vrai. Moi, je trouve que les gens, ils exagèrent tellement. S'il vous plaît. Hein. Mais je sais pas si ça a déjà été fait, mais un jour, on me demande ma main, je lui passe une main en plastique pour la blague. Oh non. Oh non. Non, mais après, et après, ça veut dire que tu dois te trimballer une main en plastique tout le temps avec toi, donc. On est complètement d'accord là-dessus. Petit pied, tu choses de combien? Alors non, pas petit pied. Déjà, gros pied. Sont très vigilants par ici. Déjà, pas petit. Mais par contre, tu peux lui envoyer ça à la gorge. Ah. Il dort. On est d'accord. Il dort. Très bien. Si. Ah, mais parce qu'il y en a deux? Mais c'est quoi ce délire? Il est où le deuxième? Oh non, ils sont à l'autre bout du truc. Vas-y, à chaque fois on est obligé de perdre du temps parce que du coup on n'est pas précis sur ce. Hein? Super, ça veut dire que je dois passer tout là-bas. Putain, vraiment. Ça me dérangerait pas. Oui, c'est vrai. Peut-être. Voilà. On a de la chance que du coup on s'est mal compris avec Alain Pimpin parce que en vrai de vrai, moi j'ai cru que c'était. Il n'y avait personne. Voilà. On va juste reprendre des flèches parce que je vous rappelle, on n'a plus rien. Le médaillon de Batos. Par contre, si tu prends pas l'échelle, mon gars, on va pas s'en sortir. Alors, du coup, ouais, donc pour répondre à ta question, Gabi, qu'est-ce que je fais? Je suis en bas, mec. Ah oui. Moi, j'ai. Pour ma taille, j'ai des grands pieds. Voilà. Vas-y! Le prêtre sera heureux. Et voilà. Hop là, on piège. La garde, exactement. En plus, moi, j'adore piéger la garde. Parce qu'après, ils se font sauter. Parce qu'ils sont totalement stupides. J'avoue, ils font pas très attention. Dans les Taïbi. Bah, moi je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, non? T'es où? Alors. Ah,
Ah non, mais là c'est pas drôle, hein. Si on a un coup de épée, oh, je te mets à terre. Eh bah, si tu fais 44, je dois pas t'embêter alors. Non, abusons pas non plus. Je fais quand même pas du 44. Eh non, mais l'abus de pouvoir. Parce que là, on va sauter par là, mais on va faire un peu de couler. Voilà, parce que du coup, ça sera moins haut. Voilà. Non, non, je fais genre du 38. Ce qui est plutôt grand pour ma taille. Parce que j'ai des gens qui vont en mettre 70 et quelques brouettes. Et qui sont quand même... et qui font, qui ont des tailles de pieds plus petites que moi. Hein. C'est pour ça que je dis j'ai grand pied pour ma taille. Mais en vrai, je pense être dans la moyenne. Parce que c'est pas flagrant. Quoi. Allez. Soupçons étaient justifiés. Oui, c'est du standard, oui, tout à fait. Le trésor de Batos. 45, oui, tout à fait, 45. Oui. J'ai des pieds de hobbit. Voilà, j'ai fait une chirurgie, mais s'il vous plaît, on ne juge pas dans le chat. Profanateur. Je vais protéger le médaillon de Batos. Bon, moi, je vais chercher du glouglou. La légende raconte que s'il quitte la ville, bon, glouglou, effectivement, comme dit Nola. Est-ce que Nola, vous êtes avec un petit verre de Baileys ce soir? Je t'en prie, garde-le. Et certain pour apprendre aux Romains qu'on ne profane pas les morts. Avec plaisir. C'est le fondateur qui t'a envoyé. Bonne route, Medjay. Bah, bonne route. Vraiment. J'insiste. Oh, mais mon Kouginou, vous êtes en manque d'amour. Il y a mon chien qui est en manque d'amour. Il me demande trop de câlins. Oh là là. Bon, du coup, nous avons terminé cette mission. Elle était pas très compliquée, hein. En soi, on va pas se mytho. Attendez juste deux petites minutes, je vais me placer ici parce que je trouve ça sympa. Ou non, attendez, je vais me placer juste là, parce que je trouve ça encore plus sympa. Je vous laisse juste ici, juste deux petites minutes, je vais vite au petit coin. À touti. Με νοείς, ο Ντάν. Ω, χαίρε. Τι πλέον μέλους η ουράνη. Άνθρωποι νου να πολλέσαι. Et me revoilà. Oh, des quinottes. Oh, ça, c'est trop bon, ça. T'as bien raison, Nola. Ah oui, le chien est trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le personnage a pété les plombs en pleine absence ou bien... Ah, il a voulu... Ah bah oui. Ah bah oui.
Tout à fait. Oui, non, mon chien était effectivement sur la manette. Parce qu'il n'a pas compris que du coup, en fait, sur la manette, il faisait bouger les joysticks. Mon chien a voulu se mettre sur Twitch. Voilà. Il a tenté une carrière, pseudo-carrière de streamer. Vous en pensez quoi, les amis? Il est doué? Ton chien t'a fait descendre. Je suis morte à cause de mon chien, mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il est con ce cocker. J'avais vu un truc ici. Oui, bah récupère. Ah, compliqué là, hein. Oh, attendez, il y a des trucs sympas sur cette terrasse. Mon vénéré ami. Eh ben, pourquoi servir le peuple si l'on se moque de son bien-être? J'ai peine à croire que tu me sois pas un homme bon. Mais les gens me disent que tu les renvoies lorsqu'ils viennent implorer ton aide. J'ai aussi entendu dire que les fermes voisines ne tiennent avaient subi un impôt excessif au titre de l'effort guerre. Au titre de quelle guerre scènes-tu la région à blanc? La Cinéraïque vit en paix et nous avons un devoir envers la population Léandre. Ne l'oublie pas, respectueusement, Dioclès. Ok, très bien. Mais je suis tellement un devin. Ah bon? T'as une boule de cristal aussi? Le pire, c'est que t'as vu juste... Ouais, bah ouais, apparemment, ouais. Alors, voyons. Mais oui, tout à fait. Moi, je regarde les branches, j'ai envie de pleurer. Je ne suis pas sûre que je serai toujours en vie. Hein. La branche, elle craque sous mon poids. En vrai, je meurs. Voilà. Merci. Et là, tu sautes. Bonjour, la société. Comment allez-vous? Ça fait très longtemps de te voir. Alors, attendez. Oh. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit... Pas du tout. On s'est perdu où encore? On s'est perdu là. Très bien. Bah, vous savez quoi? Je vais faire un voyage rapide. Voilà. J'adore les pépitos, surtout les sablés fourrés. J'ai cru que quand il parlait de pépitos, il parlait de nous, de notre communauté fabuleuse. Mais non, il parle de bouffe, encore. Est-ce que Earth a trouvé son glouglou? Parce que je trouve que elle fait bien long. Ou alors elle est allée chercher son glouglou au petit magasin du coin. Maybe. I don't know. Mais non, les biscuits. Les biscuits. Il y a les biscuits qui s'appellent Pépitos. Pardon, excusez-moi monsieur, mais vous êtes sur mon chemin. Poussez-vous. Il y a des biscuits qui s'appellent Pépitos. Attendez. Parce que là, vraiment... Oui, c'est bon, j'ai pris une crêpe aussi. Oh, une crêpe à quoi? Mais non, mais la meuf, elle se met n'importe où. Elle veut qu'on se voit, mais Alexandrie, je sais pas où elle est. Dans un puits Non mais frérot, là, c'est pas possible. Meuf, je suis pas là pour t'attendre 3000 ans et puis ne pas savoir où je dois aller. Attendez. Oui, Ah bah oui. J'avais pas vu. Non mais excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Bah oui, je parle de bouffe encore. Ah bah bravo. Bravo, vraiment. Je crois que Nola a la ref. Bah oui, des biscuits Pépitos. Mais je sais pas, moi. Moi de base, je suis pas très biscuit. Bah yek. Vous êtes sérieux, vous êtes en train de me juger là? Ah ouais? Moi je trouve ça pas très cool là. Hein. Tortilla, cheddar, lard, sauce algérienne, tomate et salade.
Non, c'est pas la meilleure. Est-il arpenté les champs de roseaux. Tortilla au monde. Je vais à Rome pour. Rome. Aya, tu ne vois donc pas la folie de tes ambitions. J'ai fait des erreurs. Tu en as fait aussi. Aya. Tu gaspilles ton énergie. On n'en a pas terminé. Ah. Ah bah super. Tu es le célèbre médecin. C'est ma combo de ce soir, tête de nouille. Tu m'as prêté tête de nouille, Gabi ? Voici Brutus et Cassius, ce sont nos frères romains. J'ai faim maintenant, bah moi aussi. Il m'a traité de tête de nouille ? Attends, on va lui balancer des brocolis, là. Il va se calmer tout de suite, le Gabibi. Cléopâtre règne toujours. Personne ne règne sur l'Égypte. Elle est soumise aux caprices de plusieurs tyrans. Notre reine nous a abandonnés pour Rome. Rien n'a changé ici. Memphis est sous l'emprise de l'ordre. Aya, tu dois agir. Et toi aussi, on va te balancer une potion qui va attirer des chauves-souris qui vont te manger. Voilà. Exactement. Voilà. Et puis si tu continues à me chercher, tiens, vas-y, je vais être en fantôme avec un couteau, là. Je suis dangereuse. Wesh. Ça ne peut pas finir comme ça. Oh là là, mais je Aya. Me retiens, mais... Cette maudite sphère doit rester cachée à jamais. C'est très perturbant. Elle a causé trop de malheur. Trop de malheur. Oh, il a eu la voix totalement brisée. Oh, Bayek. Si tu savais tout le mal que la sphère a fait. Oh, Bayek. Si tu savais à quel point j'ai refusé de souffrir et encore souffrir. La sphère a rendu zinzin plus d'un. C'est un mélange de je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord ? Ne me jugez pas. Et puis si vous n'êtes pas content, demandez la suite des paroles à Nola, c'est lui qui l'a inventé. Bon, du coup, j'ai un balai à passer. Encore ? Mais à chaque fois que tu viens ici, j'ai l'impression que tu fais le ménage tout le temps. En fait, à chaque fois que tu viens vers moi, ça te fait penser que tu dois faire le ménage parce que je suis maniaque, c'est ça ? Je le savais. Vilain, vilain, va. Mais je dois aller où, frérot ? Attends. Ouais. Ah oui, attendez, il est où, mon point ? Il est là, mais bien évidemment. Voyons voir. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais oups, il oups, il oups. Bah, viens chez moi au lieu de me jalouser. Non, moi, c'est bon. Tu sais, j'ai bien assez à faire chez moi. En vrai, tu sais, ma maniaquerie, des fois, elle me tuera, je pense. Mais ça, ce n'est qu'un petit détail, bien évidemment. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Seul sur le sable, les yeux... Tu sais ce que je suis en train d'imaginer de là ? Mon dieu ! Attends. T'es au bord de la plage, là. T'es genre ventre à terre, mais t'as la tête dans l'eau, le cul, sur le bord de la plage. Et en fait, t'as la vague, mais tu sais, le rouleau de fin qui arrive sur les chevaux. J'imagine tellement ça, genre les yeux ouverts, mais tu te fais exploser les yeux avec ces mini rouleaux là. Des fois ça fait super mal. Oh purée, oh mon dieu, t'as refait ma journée là. Je suis désolée hein, mais oh my god, fallait pas me sortir ça à moi. My god, l'imagination. Vas-y. Non mais vraiment, seul sur le sable, les yeux dans l'eau, non mais s'il vous plaît quoi, du coup t'es... Oh waouh. Bah quoi, c'est toi en même temps qui l'a sorti, hein. Moi j'ai rien dit, hein. J'ai suivi le move. Ah moi ça me fait bien rire. Ça me fait tellement rire. Oh waouh. Parler une dernière fois à Aya. Mais ils sont en séparation ou elle va juste à Rome parce qu'elle a envie de réparer ses erreurs. I don't comprendre la chose anymore.
Alors, tu t'imaginais pas du tout ça, hein, avoue, quand t'as dit cette phrase. Nos victoires s'accumulent. GG, 21h21. Nous sommes destinés à nous quitter. Tout nous dit que notre amour est impossible. Ah bon? Tu avais raison. Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Mais notre amour vit dans la droite. Sauf qu'il nous faut l'abandonner. Laisse les dieux en décider. Ah oui, ils vont se séparer donc. Les dieux sont morts. Super. On vit un divorce? On vit en divorce. Genre, pourquoi ça me fait autant mal alors que je suis pas mariée, genre? Toute cette souffrance avait un sens. Au secours. Luthor, nous n'aurions pas dû tuer en public. Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froid, calculateur, des poètes de la mort. Je suis d'accord, Aya. Je voulais dire que je t'attends. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Medja, je suis. Celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek. Mais tu attends qui? Tu attends qui, Nola? Et tant pis si Soso prend son temps. Oh waouh. Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. Mais je comprends pas. Du coup, ils se séparent, ils se séparent pas. Ah, et c'est comme ça qu'est né l'insigne de ceux qu'on ne voit pas. Oh mince. Sniff, vous avez préparé les mouchoirs, j'espère, parce que vraiment, là, je... On n'a même pas fait les papiers du divorce. Qui va garder mon chat? J'ai pas de chat. D'accord. On s'arrête tout de suite. Je n'ai pas de chat. Et nous sommes revenus. Une même standard. Qui est en train de... J'aurais dû t'écouter. Abibti. Ces mots ne seront pas tes derniers. Putain, vous êtes qui? William Miles, ça te dit quelque chose? Ta tronche, non. Donc tu me connais? Nous, les assassins, nous t'avons observé. Il est... inhabituel pour un employé d'Abstergo de s'intéresser à une... Ouais, agression. C'est tout de suite l'agression. Vraiment, on pourrait lui apprendre le passif. Je propose que ce soit Earth qui lui propose qu'il mette en avant le côté passif et que ce soit Nola qui lui explique exactement comment être passif sans devenir agressant tout de suite là. Moi, je trouve que c'est vraiment... ça va pas du tout. Sophia Rikin t'a fait tellement de promesses. Ça suffit. Je refuse de parler d'elle. Oui. Nous aurons des tas d'autres sujets à aborder d'ici Alexandrie. Si vous croyez que je vais venir avec vous... Eh bien, voyons tes autres options. Tu peux venir avec moi, ou rester ici pour jouer la danse de la mort encore et encore jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Il te suffit d'en faire une seule. Tu ne peux pas revenir à ton ancienne vie, Leila. Je n'y comptais pas. Un cercle pourrait enfin travailler est sur un carré, Amus. Un carré est un cercle, version, je t'aime, Nola. Qui a la ref? Et avec dans nous, le chat. Tu seras toujours libre de faire les choses comme tu l'entends. Attendez, j'ai entendu mon pseudo, c'est quoi le truc? Alors, le truc, c'est que je propose que toi, d'abord, tu leur inities à qu'est-ce que... Ce qui ne veut pas dire ne que pas agresser les gens dès qu'on leur parle. Et ensuite, je Nola, comprends. Il approfondit sur le sujet et il fasse le cours thématique, quoi. Ok. Très bien.
Donc elle lui a pas serré la main, c'est vraiment une mauvaise fille. Qu'est-ce qu'il y a ? Une sorte de sablier. Le groupe électrogène tient. Au boulot, Layla. Le meilleur moyen d'échapper à ce taré est de retourner dans l'Animus. Le plan d'Abstergo pour l'Animus portable. Une vraie saloperie, ce truc. On avait vu ça ? Moi, je crois pas, hein. Je ne pense pas hein, qu'on l'avait vu, hein. On est d'accord. On est d'accord. Moi, je fais un peu le tour parce que ça me fait du bien aussi de changer un peu d'air. En vrai, on est toujours dans une caverne où il fait froid et humide. C'est un titre, celui-là. Froid et humide ou c'est pas beau. J'arrive à le lire. Eh ben oui. Incroyable, n'est-ce pas? Moi? Hein? Oui, toi, exactement. Oui, toi, toi, Earth. Tout à fait. À l'est de l'Oasis, que je considère comme mon foyer, il y a une petite grotte à laquelle on ne peut accéder que par un chemin qui part de la route voisine. À l'intérieur, j'ai découvert une relique d'un grand pouvoir. Oh, mais de quel pouvoir il s'agit? La grotte elle-même a quelque chose de particulier, une sensation, un savoir. Cet endroit parle à mon âme. Un jour, j'y retournerai. Oui. Quoi, non? Ah non, j'ai mal lu. Pardon, excusez-moi. Moi aussi, est-ce que je peux prendre le cours du non-agression, s'il vous plaît? Parce que là, ça va plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, tout à fait. Ah ouais, bah c'est vrai qu'on se balance tout à fait comme ça. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Allez, nous, on collecte des choses. Wesh. Qu'est-ce qu'on attend, alors? L'hélicoptère d'extraction. Il sera là d'ici une heure. Retourne dans l'Animus, si tu veux. Je sais l'attrait qu'il peut avoir. Oui, il reste peut-être quelque chose à y faire. Bah non, en fait. Peut-être pas. Est-ce que tu peux lire les tablettes, là, derrière, là? Bah non, du coup. Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. Exactement. Oui. Alors, interagir ou pas interagir avec lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on attend, alors? L'hélicoptère d'extraction. Enquête des champs secrets dans la pyramide. Ouais. Retourne dans l'Animus, si tu veux. Les traces indiquent. Ne manque pas le message. Oui, il reste peut-être quelque chose à y faire. Interview. Oh, waouh. Divertissement au vol. Est-ce que c'était un DVD ou une cassette? C'est trop mignon. Dean prévoit jamais assez de bouffe. Oh, oui, une peupluche. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, la peupluche. Alors, je sais pas si elle allait faire quelque chose, mais tu peux te mettre droite, meuf. T'inquiète, hein. Comment perdre du temps? Bah, en faisant ce que je fais. C'est-à-dire en regardant absolument... Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Oh, des trucs à lire? Bah, je lirai pas. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Des trucs à lire. Très bien. C'est l'avancement, en fait, des recherches. Très bien. On va laisser tomber ça. Guide de l'Animus. Les notes. Conception de l'Animus. Oh, j'aime bien le clic. Ça, c'est la carte qu'on a trouvée. Est-ce que c'est toutes les cartes qu'on a trouvées? Ah bon, je peux faire comme ça, alors. Ah oui, c'est très bien. Voilà, parce que moi, je suis... On va faire genre, on l'a lu. Hein, voilà, exactement. Allez, toi, tu l'as lu, tu l'as ouvert. Oh, il y a un petit vu. Non, on va pas faire des petits vues, Anisha. Quoi ça, Isabelle Ardant? Waouh! Incroyable! Alors, le jeu des trois mots, Nola, tu m'as dit quoi? Ourson, fou et couteau? Est-ce que tu es un peu psychopathe, Nola? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Es-tu sûre que tout va bien?
Voyons voir. J'étais en train de faire du camping avec mon chien, parce que j'avais une envie folle de faire du camping, et puis parce qu'en fait, je regarde plein de vidéos sur les gens qui font un peu du camping sauvage. Sauf que moi, je ne fais jamais du camping sauvage. En fait, je suis une princesse, donc voilà, je peux pas faire ça. Et du coup, j'ai décidé du coup de partir en camping avec, avec mon chien. Mais en pleine nuit, ce gros bobet, il me réveille en sursaut, parce que du coup, il aboie. Et en fait, tout d'un coup, j'entends des craquements... bois et tout à côté de moi, et vraiment je suis je suis au bout de ma vie quoi. D'habitude je fais ça très bien, je suis la meilleure personne pour me contenir, mais là vraiment j'ai envie de dire excusez-moi et pardonnez-moi du terme, mais me chier dessus là. Voilà. Et en fait quand j'entrouvre un peu les portes de ma petite tente, et bien du coup je tombe nez à nez avec un ourson. Et figurez-vous, fait incroyable, il est en train de maintenir un petit couteau entre ses papattes. Me demandez pas comment ni pourquoi, d'accord? Je ne sais pas. C'est nos photos quand on a grandi? Sérieusement? Waouh! Il y a un effet Polaroid dessus, hein. Incroyable les amis, vraiment le filtre Instagram des années 2000, genre dégueulasse le machin. Vraiment hyper hyper saturé, on voit quasiment rien, je suis désolée mais là... on va commencer par celui-là. Salut Berkeley, et merci pour ce moment. 21 mars 2006, le jour où Leila Hassan quitte l'université. Exact, ah bon? Professeur Moore, je ne terminerai pas ce devoir sur Jenner. J'ai trouvé un boulot et je pars pour Philadelphie la semaine prochaine. Rester le cul posé en classe, c'est pas pour moi. Mes parents flippent, mais ils s'y feront. Je vais rejoindre le monde réel, me faire du fric et en plus, je serai plus près de chez eux. Mais ça veut pas dire que j'irai les voir plus souvent. Sophia m'a promis qu'il y aurait toujours une place pour moi chez Abstergo, tant que je saurais me débrouiller avec une pince et un circuit imprimé. Bien sûr, je vais devoir travailler dur pour me faire une place dans son projet spécial. Mais ça ne déroge pas. Il faudra pas longtemps pour qu'elle ou son père, Monsieur Alan Rickin, comprenne que je suis une pointure et me demande de les aider sur l'Animus. Ok, bon, bah du coup, en fait, là, on retrace un petit peu ce qu'elle a vécu. Très bien. Rien d'intéressant quoi. Comment perdre du temps? Bah restez avec moi. Voilà, c'était bien hein. Oui. Mais moi, j'ai toujours pas compris. On s'est séparés, on s'est divorcés. Il y a plus d'amour, il y a toujours de l'amour. Je ne veux pas en parler, Damastès. N'est-ce pas, Bayek? Confie-le-moi, je vais l'apporter à Phoxidas. Il adore ces objets. Et si je te tuais, t'en penserais quoi? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Vraiment, madame, vous aussi, vous allez participer au cours de Earth et de Nola sur l'agressivité, hein. Moi, je vous jure. Nous avons dépassé Néapolis à l'aube. Si le vent se maintient, tu seras au forum de Rome d'ici deux jours. Bah, c'est bon, terminé mais... entre Bayek et toi, hein. Je le sens. Aucune décision n'est aisée. Bon, en même temps, j'imagine deux parents perdent leur enfant, personnellement. Voilà libre. Il y a très très peu de couples qui arrivent à tenir la cadence. Hein. Vous êtes sérieux? Gabi, t'es sérieux? D'ailleurs, Nola, je suis même pas sûre qu'il ait vu son jeu des trois mots.
T'as dit clé à molette, nachos et nuages. Oh waouh. Oh waouh. Laisse-moi réfléchir alors. Alors. Allez, Souké, allure de rap. J'étais en train de fabriquer quelque chose quand je demanda à Mimi de me passer une clé à molette. Sauf qu'en fait, je l'avais perdue dans... Enfin, elle l'a pas trouvée, finalement. Une flotte romaine devant. Tu la vois? Bon. On ne devrait pas baisser notre garde. Faisons comme s'il nous attendait. On dirait que ça te réjouit. Oui, vieil homme. Je suis impatiente. Impatiente d'en finir avec tous ces chiens. Tu auras de quoi faire. Le monde ne manque pas de chiens. Ok, super. Vous pouvez me laisser parler? Donc du coup, je disais donc ouais, mais du coup j'avais un petit creux. Vraiment un petit creux. Et gentille Mimi qu'elle est, elle m'a préparé un nachos. Vraiment les gars, si vous voulez un nachos de qualité, je vous suggère de demander à Mimi parce que vraiment c'est la reine. Et en fait on était en train de manger ça donc du coup devant le garage quoi. Et en regardant dans le ciel, je me suis aperçue en fait d'un petit nuage. Ils nous ont repérés. Ces feux vont attirer leur flotte. Tenez-vous prêts. Allure de rame, tenez bon. Ils arrivent. Allez, marins, faites-en de la charpie et rendez-les à la mer. Ramez. Ah là, 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 là. Alors, hop. Accrochez-vous. Voilà, et devant. Des chants, notre honneur, en souvenir de cette journée. Si quelqu'un compose un chant, je me couvrirai d'algues comme une sirène pour le chanter. Je m'en souviendrai. Alors, attendez. Crois-moi, tu le regretterais. Maintenant, finissons-en. Est-ce que je peux avoir mes catapultes Overseas? Abritez-vous. Merci. On nous tient dessus. Allez, abonnez-vous. Accrochez-vous. Alors, tac, attendez, en plus que moi il est... Bon c'est bon là, on a compris, laissez-nous... Merci. Ah non. Mais c'est pas un navire allié. Laissez-moi pas déconner là. Ah bah où? C'est un navire allié. Accrochez-vous. Allez. Alors attendez. Il n'y en a plus qu'un à envoyer par le fond. Allure de rame réduite. Merci. Voilà, c'était ma petite histoire sur le jeu des trois mots. Mais vraiment, j'étais bien. Faut bien que je te mette une colle quelque part un jour ou l'autre. Oui, c'est vrai. Non, mais... Sérieusement? T'aurais pu faire plus simple. C'est vrai. Ils vont nous toucher. Nous sommes débordés. J'ai Ces brûlots sont trop nombreux. Nous devons les couler avant qu'ils nous atteignent. S'ils nous touchent, nous sommes finis. Il faut les détruire. Des brûlots devant. Alors attendez. C'est nous. Alors attendez, attendez. Juste que. Hop les. X. X pour regarder? Comment ça, X pour regarder? Ok, ok. Ok. Alors attendez. Hop là, hop les. Tenez bon.
Alors hop. Ah non. Alors attendez. Alors. Voilà, lui. Voilà, et là du coup. Il est où l'autre? Il est où? Très bien. Ensuite. Ah non non, mince. On va pas tout recommencer toute la bataille, j'espère. Au moins juste la deuxième. J'étais juste pas du tout dans un nuage de nachos. Non mais Gab, sérieusement. T'as osé. C'est tout bon, hein? Tu es toujours en vie avec nous? Ils vont nous toucher. Nous sommes débordés. Alors. Ces brûlots sont trop nombreux. Attendez. Nous devons les couler avant qu'ils nous atteignent. Oui, bah si oui. S'ils nous touchent, nous sommes finis. Il faut les détruire. Des brûlots devant. Allez, c'est parti. Allez, tenez bon. Ouais, ok. Allez, hop les, c'est parfait parce que lui, il va s'en prendre. Une blague. Alors attendez parce que du coup on sait. Alors voilà pourquoi j'ai jamais aimé les. J'ai pas compris, même quand on s'abrite, ils arrivent à nous tuer. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Je suis allé à la piscine avec des amis. Le soir même, nous sommes après des strikes avec des frais. Le lendemain, nous avions repris la route pour aller chez une amie. Malheureusement, nous sommes tombés en panne et changé l'huile moteur avant de pouvoir continuer la route. Bon, bien trouvé en vrai. Bien. Ces brûlots sont trop nombreux. Bien trouvé en vrai. Nous devons les couler avant qu'ils nous atteignent. S'ils nous touchent, nous sommes finis. Il faut les détruire. Des brûlots devant. Allez. Allez, tenez bon. Alors attendez parce que là du coup je me souviens plus comment j'avais fait ça. Alors attendez. Ok, et puis bah là si je fais ça. Hop les. Mais vas-y. Plus vite. Plus vite. On va laisser brûler. Allez, plus vite. Je sais pas trop pourquoi tu me casses les fesses, vraiment. Je le tiens à le préciser, voilà. Et donc, du coup. Brûlons derrière. Ah merde. Je fais de la merde. Vas-y. Plus vite, c'est nous. En fait, j'essaie de l'avoir dans mon viseur, qu'on puisse le tuer, mais malheureusement, je ne le vois pas. Allez, il est là, mais non, vas-y. Voilà. Allez. Il y en a partout. Ils sont là-bas. Ok. Alors, attendez. Hop. Allez, hop.
Alors, attendez. Alors, attendez, parce que là, du coup, ça me casse les fesses. Allez, vas-y, mais prends de la vitesse, c'est sérieux, là? Ah, attendez, hein, moi, j'essaie de sauver ma vie, là, parce que, du coup, c'est nul. C'est nul, ce qu'on fait. Allez, et là... Voilà. Et là, du coup, alors il nous manque. Non, pas les alliés. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont bons des fois. Alors attendez. Hop. Là, je fais ça. Ok. Voilà. C'était de vraies nuées. On a la puissance de feu pour les détruire tous. Et parfait. Impossible. Désolé, j'ai dû me concentrer un petit peu là parce que vraiment, moi je. Réveille-toi, vieille barbe salée, et sauve ton navire. Une autre flotte, là. Zeus nous pisse dessus depuis le sommet de l'Olympe. Non, non, ce sont Brutus et Cassius, regarde. Et nos catapultes sont avec eux, pourvu qu'ils les utilisent. Vite. Marin, ok. Ne craignez pas ce monstre. Ok, alors, du coup, attendez. Ne me dis pas que tu as été poète dans ta jeunesse, Oxidas. Je crois que j'aurais dû. Oh, mais c'est une blague. Ah, ce que nous aurions pu être. Un million de choses, Aya. Tu devrais écrire tes mémoires un jour. Quelle bonne idée. Et si tu promets de les glisser dans la bibliothèque d'Alexandrie, notre légende vivra à jamais. Et ce chapitre sera certainement le plus lu de tous. On nous tiendra plus. Allez. Okay, allez. Oh my god, mais je fais du n'importe quoi, je suis trop désolé les gars. Plus vite. Plus vite. On va laisser freiner. Allez, hop là. Alors, hop, hop là, voilà, comme ça, voilà. Allez, plus vite, plus vite. On va les éprôner. Plus vite, c'est nous. Tenez bon. Tirez, tirez. Abritez-vous. Tirez, c'est nous. Accrochez-vous. Plus vite, mes frères. Tirez, c'est nous. Comprenez-vous. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, je fais un truc bien plus intéressant. Apprenez-vous ! Apprenez-vous ! Plus d'allure ! Augmentez la cadence ! Plus vite ! On va les éprôner ! Plus d'allure ! Alors, désolé les gars, vraiment, mais j'insiste sur le fait que... Et voilà. Voilà. Bon, moi, la bataille navale, je suis toujours un peu nulle. Donc c'est pour ça que je me concentre un peu plus. Que pleuve le feu ! À mort, démon avalé par les eaux ! Ouais, fainéant ! Rejoignez les autres ! C'est un beau jour pour mourir ! Vers quel port sympa. Est-ce que tu nous conduis ? J'aimerais essayer une ville appelée Antium. Son port accueille beaucoup de marchands. Ce sera plus sûr pour vous. De là, Rome est à une demi-journée de cheval. Eh ben, on est d'accord. C'était Antonso.
C'était intense, hein, les amis. Je sais, j'ai pas beaucoup discuté, je suis désolée, mais waouh! J'étais hyper concentrée pour pas faire trop de bêtises, parce que moi, vraiment, vous savez comment je suis. Hein. Quand je fais pas ce que je demande, et ben du coup, ça m'énerve. Ça m'agace. Nous sommes du coup à Rome, au théâtre de Pompée. César deviendra officiellement un tyran. Super. On adore. Oh, la tête de César. César. Tu es un peu prétentieux, tout ça. Le Sénat sera moins facile à convaincre. Cette assemblée de poules bavardes. Laisse-moi être ton loup. Ah bon? Ah bon? Ah ouais. Allez, ne faites rien avant mon signal. Et bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous attendez? Oh, waouh. J'ai cru qu'elle voulait pas faire ça en public. Elle est drôle, elle. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Nola? On va combattre le grand méchant. Oh bien. Alors César est à la tête de l'ordre maintenant? César est le père de la sagesse. César et toi, vous mourrez. C'est à l'ordre que tu t'attaques maintenant. Et l'ordre est plus grand que Rome. On retourne en Égypte avec ses serpenteurs et ses pousseurs. Avec toi, le meurtre devient juste et nécessaire. Oh, waouh! Je commande des armées. Je suis la grandeur. Je vais plonger ton ordre dans l'oubli. À genoux devant César, devant Rome. On est bien dans le camp. C'est nous qui écrivons l'histoire. Ah bon? César va te rejoindre dans les ténèbres. Ton fils s'est pissé dessus quand il a vu le couteau. Je vais jeter ton cœur au vautour. Donc en fait... Tu n'as aucun honneur. Donc tu en fait... Tu m'as tout pris. Le fils... Je suis un gabignani. Nous a pris... Je pensais que tu allais fuir, femme. Nous a pris notre fils, donc. Pour disparaître. Flavius ne sera pas là pour te sauver cette fois. Les lois de Rome ne te protégeront pas. Non, là, vraiment, je savais pas. En fait, du coup, notre fils s'est fait tuer par sous la loi de Rome. Ah ouais. Comme ça, genre. Je peux pas prendre les flèches qui sont au sol, genre, non. Non, ça aurait été bien ça. Mais non, mais quand je te dis de... Voilà, merci. Hein. Ouais, c'est un vilain pas beau, mais en plus il est en jupette. Je n'ai rien contre les hommes qui sont en jupette d'ailleurs. Je tiens à préciser. Ok, donc il y a un enchaînement à faire. Bon, mais par contre, t'as le droit d'esquiver, meuf. Non, t'as le droit de... Oh, merde. T'as le droit d'esquiver. Elle esquive pas. Elle est comme son mari. Très joli. Oh waouh, pardon, attendez. Ok. Ok, ok, ok. Tête là. Comment ça va? J'aime les jupes. Ah oui. Allez, elle désolée sa jupe. En plus, t'as vu, elle est bleue. Ah non, sois même pas. Elle était bleue. Pas.
Le cœur de mon fils. Contre ta vie. La vengeance t'a apporté ce que tu voulais. Ouais, si, mais pas sur moi. Ah oui. Pourtant, ça te va si bien, Nola. Comment vas-tu, chacal? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu racontes de beau, mon grand? Le bâton. C'est l'ordre qu'il a. Je l'ai servi comme l'Égypte que tu aimes tant. J'aurai ma récompense dans l'autre monde. Pour l'éternité. Bah, du vin et des femmes parmi mes frères. La seule chose qui t'attend, c'est l'oubli. Pour ton nom, ton ordre et les corps putréfiés de tes Gabignani. Oui, effectivement, ouais. Dévore ton cœur fétide. Tout le monde se réjouit, hein, vraiment. Fallait pas dire. Ah, d'accord, ok. Non, alors, les gens, vous oubliez ce que je viens de dire. Ok. Oh, il a mouru, le chacal. Oh, on l'a tué. César doit être à la curie, avec les autres sénateurs. Où est-ce qu'on grimpe? Par ici? Gauche, droite, gauche. Allez, on choisit à droite. Ça va nous porter chance, peut-être pas. On sait pas. Tu vas le prendre? Moi, je pense oui. Mais peut-être pas tout de suite à sa sortie. Cet endroit grouille de soldats. Ah, mais non. Et puis, en plus... Peut-on passer par les toits? Mais bien sûr qu'on peut passer par les toits, voyons. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Descends. 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 Descends encore. Voilà. Et là, tu grimpes. Voilà. Ah, bah là, on est obligé de traverser, en fait. On pourra pas passer par les toits, je crois pas, en fait. Ah bah c'est nul, hein. Vraiment, je suis déçue. Alors, déjà, nous devons... On s'est séparés. Et ensuite, après... on doit jouer... Oh merde. Bah vas-y. Voilà. Oh. Allez. Bon. Mais tu fais quoi? J'ai pas tout compris là. Oh mais vas-y, mais casse-toi quand je te dis de dégager, grosse conne. Voilà. Tu l'as déjà pris en précommande, Chacal, ou pas? Le MW3. Oh, vas-y. Merci. On m'a pas vu. Mais vraiment, on m'a pas vu. Hop là. Eh oui, moi je disparais telle une grande personne. On me voit pas, je suis discrète. Eh oui, tu pensais pas à ça. Hein. Non, tu vas nager. Et pour plonger, merci, mais maintenant on va. Allez, hop. On m'a pas vu. Il m'a pas vu. Allez, on va faire des trucs. On va faire. En plein, des petits assassinats discrets, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oh, ma crotte. Attendez. Est-ce qu'ils sont partis, eux? Ah, attendez. Lui, il se met là. Okay. Très bien.
Allez, sors de là. Allez. Voilà. Oh non, sérieusement. Allez. Ah, mais vas-y, mais tu peux. Casse-toi, casse-toi. Oh, l'esquive chez elle, elle est vraiment nulle. Voilà. Ok. Aimant, pas vu. Aimant, toujours pas vu. Genre, je suis. Ah oui, il faut quitter le conflit. Ah merde. Oh, mais non, mais c'est une blague. Elle est conne ou elle le fait exprès, genre. Non, mais arrête, meuf, tu me saoules en fait. Déjà, fais les choses correctement. La caméra, ta gueule. Et voilà. Ça va, des bisous, merci d'être passé, chacal. J'ai pas vu, pardon. Non, mais attendez, là, ça devient n'importe quoi. Elle le dit. Oh, vas-y, casse-toi. Oh, mais vas-y, elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles. Vraiment, elle est conne comme ses pieds. En plus, elle va pas rapidement. Pourtant, je... Voilà. Non, casse-toi de là. Parce que lui, l'autre là, il va te tuer. Excusez-moi, mais. Oh merde. Mais dégage de là, grosse conne! Putain, mais qu'est-ce qu'elle me saoule! Elle est vraiment conne en plus. Mais casse-toi! Mais qu'est-ce que. Au secours, mais au secours! Mais au secours! J'ai envie de pleurer tellement qu'elle est stupide! Ouais, bah, d'accord. Okay. Quitter le conflit, ouais, bah écoute, meuf, si tu. Oh mais non, j'ai cru qu'il était derrière. Voilà. Bon, si en un coup je me ramasse une flèche puis que je crève, en vrai, au secours. Hein. Mais non, mais dégage de là en fait. Putain, les archers, c'est les plus simples. Mais non, mais s'il vous plaît. Oh mon dieu, mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, mais au secours. Je suis désolée les gars, mais moi je vois ça, elle arrive même pas à esquiver quoi. Je sais pas si vous entendez en plus, mais j'appuie plein de fois sur le bouton pour qu'elle esquive. Non, c'est une blague. Putain. Elle est pas sortie de l'auberge, hein, moi je vous le dis. Une bonne détente, madame. Qu'est-ce qu'il y a, Kugi? Qu'est-ce qu'il y a, mon Kugi? Oh, mais c'est pas le moment de te faire mal, madame. Là, c'est le moment de... d'être... Allez, vas-y, on grimpe. Allez, allez. En fait, le gros problème, c'est que je vois pas où ils sont, les gars. Sérieuse, cette meuf. Cache-toi. Eh ben. Ah.
diable! Ibi manere! C'est bon? Vous m'entendez là? Ok, donc je dois aller là-bas. J'espère que c'est une bonne idée. Je regarde celui de. Oh non, c'est pas une bonne idée. Putain, mais j'en ai. D'accord, ils savent pas où je suis. Ah si si, ils savent où je suis, bande de cons. Mais vas-y, mais casse-toi, grosse conne. Voilà, parce que lui, il fait mal. Donc je suis obligée... Non mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Parce qu'elle est... Oh mais casse-toi, t'es vraiment conne. Oh mais dégage, tu peux pas t'en prendre juste un seul. Mais... Oh cette caméra. Oh cette caméra. Oh j'ai vraiment envie de péter un câble. Non non non. C'est bon, cassez-vous. C'est bon, ils m'ont pas vu. Ça m'énerve, j'ai fait un enchaînement, il veut pas faire cette putain d'enchaînement de merde. Allez, c'est parti, on se démoralise par les amis. Par contre, je vois pas comment est-ce que on peut tous... En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je les tue tous un par un. Genre en mode, personne ne me voit, quoi. Ça va prendre des plombes. Tellement qu'il y en a. Puis ils sont tous concentrés là-bas, donc. Tellement qu'il y en a. C'est... C'en est presque fatigant, en fait. Juste ça. Juste parce que madame ne sait pas être un tout petit peu... Juste faire attention. Coucou Coquex, comment vas-tu? Concentré. Effectivement. Bah eux, ils sont pas très cons. Enfin, ils sont très cons, mais pas très centrés. Hein. Voilà, si je puis dire, vraiment, on s'en passera. Non, ça me voit pas. Allez, ça me voit pas. Stante, voilà. Voilà. Bah ça va bien, ça va bien. Qui t'a passé un bon week-end? Putain, j'ai appuyé 3000 fois sur ce putain de bouton et tu vas me faire croire.
Tu vas me faire croire que vraiment, genre, la meuf, elle peut pas assassiner, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bonjour Nalam. Je ne demande qu'une chose. Que vous vous joigniez à moi pour bâtir une nouvelle Rome. Une Rome dont tu serais le roi. Laisse parler César! Nous voulons une Rome qui offre la justice, la paix et des terres à tous ses citoyens, pas seulement à quelques privilégiés. Tu es tout aussi privilégié que moi. Je ne suis pas dictateur à vie, moi. Un honneur qui m'a été accordé par le peuple de Rome. Ça marche, Nola, merci d'être passé, des bisous. Cours et vous, ouais, ça allait. Nous aimerions que tu penses à Rome plutôt qu'à toi. Ça allait, qu'est-ce que t'as fait, du coup ? Unifierai la République. Senatus, Populusque, Romanus. Au nom du Sénat et du peuple de Rome. La République ? Tu oses invoquer la République alors que tu veux une couronne ? Marc-Antoine m'a offert la couronne lors des Lupercales. Je l'ai refusée. Et quelle triste farce c'était ! Tu n'as pas besoin de couronne. Ils ont fait de toi un dieu. Écoute, oh mais bon, le dieu là, ça va. Quand on... Aide-moi à faire triompher Rome, et nos vieilles dissensions seront oubliées. Sénateur ! Et toc, voilà comment César est mort. Tout quoi quoi, mi filé. Et voilà comment j'y ai passé. Au revoir, César. Le tyran est mort. Vous êtes libre. Bah super. Magnifique, tout ça pour ça. Vraiment, on aura fait un effort. Mais court. Ah oui, c'est juste. C'est juste. Du coup, ça se passe bien quand même. Je te connais. Toi qui frappes depuis les ombres. Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin, il est impossible de ne pas devenir. Ça va. Ce que les autres voient en toi. Et j'ai tant été mieux alors. Tu t'arrives à t'accrocher quand même. Il existe un nouveau credo. Rome est éternel. Elle ne tombera pas devant toi ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. Requiescat in pace, César. Il y a quand même une notion de respect, hein. On va pas se mentir. Dans la mort, malgré tout. Salut. Tu sais ce que tu as fait. Césarion se serait assis sur le trône de Rome. Écoute les cris dans les rues. Ils pensent que tu étais la putain d'un tyran. Je suis toujours pas besoin de s'accrocher reine. Pour tu les cours, seulement de réviser. Effectivement. Mais après, il y en a et c'est plus compliqué que d'autres. Hein. Apollodorus est mort pour toi, pour l'Égypte. Pour l'Égypte. Je suis l'Égypte. Alors sois la reine que notre peuple mérite. Ou rien n'empêchera ma lame de te trancher la gorge. Tu es la dernière des pharaons. Les yeux qu'elle a fait, genre. Bah oui. Et oui. Il faut penser à ça aussi. C'est bien d'être dans les festivités, mais c'est encore mieux de pouvoir faire les choses correctement. Et ouais. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve ça fabuleux. Nala, là, t'es en train de me casser les fesses, mine de rien. Merci. Pose-toi. Merci, madame.
Bah, c'est parfait. C'est parfait. En un épisode, on a tué absolument tout le monde. C'est parfait. Un véritable carnage. Franchement, j'adore. Jean-Paul et Huguette m'auraient applaudi. Je suis juste vraiment dégoûtée que le couple se sépare. Mais après, je me dis à quel moment un couple arrive à survivre quand leur unique enfant se fait tuer. En vrai, dans la vérité de la vie, il y en a très peu. Hein. Il y a beaucoup de couples qui se séparent après. C'est le type... je vais mettre des gros guillemets à accident parce que c'est pas du tout un accident, mais... Quand il y a une perte aussi tragique que celle-ci, je veux dire. Bayek, César a été assassiné. Septimius est mort, lui aussi. J'ai créé un bureau au cœur de Rome. Mais personne ne connaît notre existence. Comme Amon, nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Je crois en toi. Ça fait mal, hein, d'enlever sa phalange. Hein. L'ironie de la liberté. Nous sommes libres l'un de l'autre, mais cela ne m'apporte aucune joie. Nous devons aller de l'avant, demeurer dans notre tourbillon de poésie sanglante. En dépit de tout, nous dansons, et il meurt. Des ténèbres, nous sommes issus, et dans les ténèbres, nous resterons. Les humains ne sont pas promis à l'éternité. Mais ce credo, si. Le credo est la seule chose immortelle en ce monde. Elle est horrible, la tête de la femme. Oh, mon dieu, le petit garçon, il est traumatisé là. Partez. Je me suis jamais déphalangé, moi non plus. Mais je pense que ça doit être horrible. Je ne veux pas rentrer tout seul. J'ai peur. Est-ce qu'on l'emmène au bureau? Non. Je vais te ramener. Ne laisse jamais la peine peser sur ton âme. La vie est brève et le temps est cruel. Mais moi, je ne suis plus celle que j'étais. J'ai renoncé à tout l'amour que j'ai reçu. D'accord, donc le mouvement est venu en fait de ces J'ai renoncé à Aya. J'ai tué Aya. Je suis celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on appelle Amunette. En fait, tout vient de ces deux-là qui ont perdu en fait de leur enfant. Et du coup, ce couple... Du coup, a créé en fait les assassins. Et le bureau des assassins à Rome. C'était intelligent comme histoire, hein, mine de rien. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ça extrêmement intéressant, vraiment. Incroyable. Et ben voilà les amis. Papo, saute. Et ben on l'aura fait. On l'aura fait. Du coup, finalement. Et si je vais voir justement les quêtes.
Après, on a que les quêtes secondaires, hein, comme je vous l'ai dit. Du coup, ce qui est parfait. Et dans les cibles, on a tué absolument tout le monde. Voilà. Donc, je suis hyper contente en vrai qu'on ait terminé ce jeu ce soir ensemble, vous et moi. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Excusez-moi. Parce que du coup, nous, comme je vous ai dit, pour l'aventure, on s'arrêtera là. Parce qu'on a tué absolument tous les membres anciens. On a tué absolument tous les membres anciens. Et effectivement, du coup, vous avez pu voir comment est-ce que, en fait, les assassins ont été créés. Et comprendre mieux l'histoire, en fait, de ce qui s'est passé. Donc voilà, tout vient d'eux. De Bayek et Aya, en fait, qui ont simplement voulu se venger de la mort injustifiée de leur enfant. Et qu'on découvre, en fait, que le tout premier qui faisait partie de ces membres anciens et qui ont empoisonné l'Égypte, en fait, était tout simplement un Romain. Voilà, qui remontait jusqu'à César. Voilà, parce que César voulait absolument avoir la coupe de l'Égypte sous lui, on va dire d'une certaine manière. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète au niveau de l'histoire. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Merci encore à tous pour les follow, pour les subs, pour m'avoir tenu compagnie. Merci tout simplement au modérateur d'être... d'animer ce chat, et à vous aussi, mine de rien, parce que vous participez totalement à tout ça. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau stream. Et pour ceux qui regardent ça en rediffusion, on n'hésite pas de s'abonner sur la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez les amis, des bisous.